Salut à toutes et à tous, c'est Crane. On est en live pour une nouvelle session Tezo The Elder Scrolls Online. On continue notre avancée dans Elsewhere. On va faire un petit peu de quête secondaire, un petit peu de quête principale. Je dis on car je ne suis pas tout seul. Je suis en compagnie d'une team absolument incroyable. Coucou Bob. Bonsoir, nous sommes là et nous avons nos véritables apparences et nous ne ressemblons à rien en compagnie d'Elise. Bah, bonsoir Elise. Non mais attends. Bonsoir. Elle a pris 5 secondes pour avaler parce qu'elle était en train de s'empiffrer de sushi. Elle le dit pas, mais voilà. Il y a eu un décalage. Je suis pas sympa. Et Désastre, bonsoir Désastre, comment va mon lézard ? Salut, bonsoir à tous. Il est là, il est beau, il est fantastique. Et du coup, c'est intéressant de regarder à quoi ressemblent nos vraies armures sous les apparences masquées. Montrer, hein, appuyer sur I, aller dans collection pour montrer style de tenue et les tenues choisies qui te permettent d'avoir des tenues présélectionnées avec les couleurs... contre un peu d'argent in-game, normalement de pognon que vous avez largement par le temps que vous êtes un peu au level. Et du coup voilà, en dessous, Crane, il est complètement stylé, avec une armure en mode Jedi Empire, très 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 cagite, hein. C'est quoi tu m'as dit, c'est le Steen Aliquina? Non, c'est pas celui-là. C'est ça. C'est ça, hein. En même temps c'est logique parce que t'as une lune sur le bide, t'as des caches-tétons dignes du chevalier d'Andromède et un casque qui déchire tout. Mais juste les gants qui vont pas avec, mais c'est toute la tenue là, c'est du drop de en tuant les dragons avec les voûtes qu'il y a eu. Oh là 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 là, c'est stylé. Elise, pardon, je regarde juste Elise, ça me fait marrer parce qu'avec sa tête de Minotaur et son armure en cuir rouge fluo comme ça ou autre, ça m'a beaucoup fait penser à une armure de The Elder Scrolls 2 Arena. C'est le genre d'armure que tu pouvais trouver à l'époque quand tu jouais à ce jeu, tu sais, qui ressemble un peu à des têtes. Tu sais, voilà, c'est des armures, mais à l'ancienne en fait, avec beaucoup de lamellaires, beaucoup de plaques et beaucoup de trucs comme elle ça. Elle est trop classe, c'est une de mes armures préférées. Ultra stylé, hein, j'avoue. Et par contre, Désastre, quand j'ai vu Désastre, c'est ça ta vraie armure, j'ai éclaté de rire. En vrai, Désastre, c'est un clodo. C'est un clodo spatial, c'est fantastique. Le mec est trop fort pour en avoir rien à foutre, si tu veux, c'est. Voilà. Si t'étais dieu, bon, je mettrais un slip et un survêt Adidas, tout confort, si tu veux, on s'en va les gueules. Et moi, en dessous, je suis un chevalier d'or de Meridia, j'ai une armure, je sais même pas quel style c'est, mais c'est quelqu'un qui me l'avait faite, c'était Izoti qui me l'avait faite, et pour le coup... Mais le casque va pas avec le reste aussi Le problème, en fait, c'est que c'est l'épitome du mauvais goût, dans le sens où elle est très classe, mais elle va nulle part sur le continent. Toi, à la rigueur, ça pourrait être crédible comme un gardien de la reine Khajiit, si tu veux, la tienne, Crane. D'ailleurs, c'est une armure qui ferait sens, entre guillemets. On dirait que tes jambières vont avec ton casque, mais que le reste, c'est encore un set différent. J'ai l'impression qu'il y a deux sets. Il a voulu en faire un chevalier d'or, en fait, c'est pour ça. Donc, éventuellement, un guerrier de Meridia, mais sinon, je ressemble à rien. Mais du coup, voilà. C'est comme ta veste rouge, c'est pas très beau, mais ça brille très fort. C'est ça. Et ça n'a la classe que lorsque c'est moi qui la porte, si tu veux, ça marche. Enfin bon, l'hypnose mentale, en fait. Quand tout le monde est hypnotisé et croit que c'est classe, c'est pour ça. J'avais encore mon skin, moi, de mon côté, que j'avais chez les... Vous avez deux skins, vous, ou pas? Ou qu'une seule tenue? J'en ai deux. C'est laquelle, l'autre? Alors, montrez. On aurait pas mis d'autres. Bon, celle-là, c'est la tenue de dragon, là. Ouais, j'avoue, celle-là, c'est dragon. Très classe, mais voilà, c'est classique. En même temps, et ça marcherait qu'en bord de ciel. Non, vu que c'est ici qu'on a tué les dragons, a priori. Oui, mais il y a qu'en bord de ciel qu'ils ont la technologie pour gérer les os de dragon, ça demande de la magie et une gestion de celle-ci que les Khajiit n'ont pas, normalement. Sauf s'ils l'ont, mais ça me surprend. T'es... Fais voir. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé? Bah en fait c'est que j'ai qu'une tête et je joue avec une tête, une épaule et les bijoux, c'est tout. Putain. Par contre je veux dire, son argonien il est ripped, hein. L'argonien il va à la salle, hein. Ah c'est, il porte son slip Tu vois pas la queue, on dirait un elfe noir, hein. On fait ensemble Désastre. Comment? Tu fais quel type de soirée roleplay en dehors des lives qu'on fait ensemble? Soirée gladiateur. Ce soir, c'est Myrmidon. Viens te prendre dans mon filet. Ça va laisser des traces. Pardon, excusez-moi. C'est une soirée très spéciale. Ah, j'ai fait un jeu de mots de merde et personne ne l'a vu, c'est pas grave. Du coup, c'était nul. Et du coup, la deuxième tenue, c'est ça. Je pense que je me l'étais faite pour faire les rouges quand j'avais fait les rouges gardes. Les rouges gardes. Ah oui, remarque, ouais. Ouais, c'est cohérent. Honnêtement, c'est vachement cohérent.
Voilà. Mais c'est très classe, ça te va plutôt bien. Ça mais elle est fit, hein, Makaji, tu sens qu'elle elle doit être... Je t'aurais peint en bleu. Elle doit délester les gens. Je t'aurais peint en bleu ciel, c'est un peu couleur jasmine comme dans Aladdin, si tu veux. Tu sais, c'est plus la couleur rouge garde, bleu et or. Ils aiment beaucoup, si tu veux. En même temps, ils aiment bien tout ce qui est pétant. Et du coup, voilà. Et Crane, tu voulais nous montrer aussi... Putain, pourquoi j'arrive plus à me mettre en vue intérieure ? Qu'est-ce que je devais vous montrer ? Pourquoi j'arrive plus à me mettre en vue ? Non, mais je fais... Si, je fais la souris, mais ça marche pas. Si, c'est bon, c'est revenu. Enfin. Je disais donc, tu as gagné la nouvelle armure qu'on a gagnée grâce à l'event des dragons chatons, tout ça. C'est où, dans le magasin ? Comme tout le monde. Boutique à Coran. L'eau de récompense du dragon. Donc, demande à Elise. Attends, l'eau de récompense, ascension du dragon. Gratuit, j'ai pris. Vous avez acheté de l'eau de récompense. Et du coup, qu'est-ce que j'ai gagné ? D'ailleurs, il reste plus que 3 jours, donc ceux qui l'ont pas fait, faites-le, parce qu'après, il y a la mésolée. C'est stylé ça. La mésolée, c'est une vraie maison. Oh là là. Le Sunshrine de Gouto Rock. Ouais. Le Low Collector Scalebreaker, non, on s'en fout. Docteur en toxine. Oh là là. C'est stylé. Ah, je le laisse celui-là. Il est stylé. Et du coup, qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné une armure. Alors, du mobilier, oui. On a gagné du bling. Ça, c'est cool. Enfin, c'est pas une armure du tout, en fait, non. J'ai dit oui, mais non. Non, mais c'est un déguisement. Un déguisement. Alors, attends, c'est lequel? Comment il s'appelle? Faucheteur quelque chose. Putain. Je le vois pas. Ah non, mais c'est bien. Je suis dans le magasin. Yeah. Donc c'est celle que j'ai gagnée. Ah. Ouais. Déjà, tenue, il faut que tu prennes le pack. J'ai pris le pack. En fait, la tenue sans le casque, ça va. Bah non, maintenant c'est dans la collection, c'est dans le déguisement. Sans le casque, ça passe en fait. Ouais, sans le casque, je trouve. Moi, ouais, j'aime bien ce qui est un peu particulier. Attends, où est-ce qu'il est? Dans collection, déguisement, apparence, déguisement, déguisement. Ah voilà, faucheur sinistre, je l'ai. Voyons voir. Ah, effectivement. Ah, mais sur un perso de ma carrure, ça passe en fait. Ça ressemble un peu au déguisement de Manny Marco. Oui, bien sûr. Ah, oui, un peu. Bien sûr, parce que c'est clairement une tenue de faucheur sinistre. C'est tellement. C'est tellement utilisé, celui de Manny Marco. Faucheur sinistre, c'est les chasse-assins, si tu veux. C'est pour ça, donc on est dans la cohérence. Quoi? Les faucheurs sinistres sont les chasse-assins. Oui, mais non, mais tu m'as compris, c'est pour ça. Alors attends, chasseur trésor, c'est pas le c'est mon mot, c'est moi qui ai dit que ça existait. Oui, bien sûr. C'est moi, bien. C'est vrai que sans le casque. Ah, par contre, sans le casque, ça fait flipper. Hein. On dirait un cultiste, mon perso. Hein. Genre un cultiste sorti d'Indiana Jones. Hein. Avec des piercings plein la gueule. Ouais, ça fait. Ça un cultiste fait... aztèque, tu sais. J'avoue. Hein. Peu, ouais. C'est l'homme du pilier, mais qui a mis des vêtements. Hein. aïe les enfants. Alors attendez, enlevons donc ces déguisements ridicules. Allez hop. Voilà, très bien. Et reprenons nos vêtements afin de reprendre la suite de la quête principale, puisque c'est ce que nous faisions. Non. Ah bon? Bon bah je sais pas ce qu'on fait. On s'est donné rendez-vous devant un PNJ pour une quête secondaire, Bob, tu te souviens? On s'était redonné rendez-vous dans 10 ans. Je m'en souviens plus du tout. Je me souviens que la dernière fois on avait pris Razumdar et on l'avait aidé à scorer avec de la minette, littéralement. Donc que faisions-nous? Eh ben on va cliquer là. À qui? Devant un PNJ qui devrait te dire quelque chose. On raconte que le seigneur Garechri a sauvé. Wait, avant que je lui parle, c'est pas le mec. Attends, c'est pas le mec. C'est pas le mec qui s'est dit. Oui, c'est lui. Et si je me tapais la reine en lui donnant une chèvre? Exactement. Oh le mec! Nous avons en face de nous le nordique avec une big dick énergie tellement grosse que si on le mettait à la présidence des États-Unis d'Amérique, il pourrait gagner. Attention. Hein. Ça déconne, zéro. Il pourrait frauder le score, ça pourrait être incroyable. Hein. Alors, je sais pas pourquoi, mais mes textures ont du mal à charger ces temps-ci. Il a du mal, mon PC. Il faiblit. Bientôt, on en passe à un nouveau. Écoutez, on lui parle quand vous voulez, puis allons-y. Qui veut faire le 3-2-1 enfin, dernière fois, c'était Crane, mais ça lui fait plaisir si tu veux le faire. Ah non, moi, une fois, c'était bien. Ok, très bien. Elise, tu veux faire les 3-2-1? J'ai fini mes sushis, je peux faire les 3-2-1. Très bien. Cette armure est très classe, cette armure lamellaire là en face. Un peu technologiquement avancée pour du Elder Scroll, mais ils ont les moyens de faire ça. Ou alors c'est impérial comme design. Oh là là, il pose. Oh là là, les poses Jojo. Oh là là, il se refuse rien. Excusez-moi, je t'en prie. Du coup, 3, 2, 1, clic.
Voilà l'assistant diplomatique préféré de Rigurt. Comment allez-vous? Rigurt s'occupe d'unir les cultures différentes, comme un délicieux ragoût d'inconnu. Et maintenant, Rigurt a besoin de votre aide. Vu nos succès passés, je serais heureux de travailler à nouveau avec vous. Putain, je veux pas dire Craig, mais ragoût d'inconnu, ça ressemble au nom d'un club échangiste, si tu veux. Mais dans le Nord, un truc bien, un truc bien sale. Ouais. Bien, même les flics, ils y font ragoût pas des descentes. Ragoût d'inconnu, ouais. Je sais pas si quelqu'un aurait envie d'appeler son club comme ça. Hein. Ce soir, c'est Ginette et Raclette. C'est horrible. Et le Lempas, c'est un jeu de mots ou pas là? Parce que... De quoi le Lempas? De quoi? Vous avez quand dit le Lempas, nous voilà bloqués, le Lempas. Non, moi j'ai pas alors, ça. On moi. A pas le même texte. Moi j'ai pas ça non plus. Non. Moi il parle. Comment allez-vous? Rigurt s'occupe d'unir les cultures différentes comme un délicieux ragoût d'inconnu. Maintenant Rigurt a besoin de votre aide. Vu nos succès passés, je serais heureux de travailler à nouveau avec vous. T'as peut-être pas fait les quêtes avec lui avec ce perso. Et ouais, c'est pour ça. Non, moi j'ai pas pareil. Bon, du coup, ça va se suivre de toute façon. Ouais. Qui commence? Je peux? Ouais, vas-y. Très bien. Le perso qui fronce toujours les sourcils et qui parle toujours avec une voix comme ça. Rigurt, mon ami, quel est le problème? Dès que Rigurt est rentré chez lui d'une expédition diplomatique couronnée de succès, le roi Skald l'a renvoyé en elsewhere avec des présents pour les chats. C'est toujours à Rigurt qu'on confie les missions les plus importantes dans les contrées les plus éloignées. Mais Rigurt a perdu les cadeaux. Les cadeaux? Bah, il y a bien une pelote de laine qui traîne. On va bien trouver ça. Je suis sûr, il y a quelqu'un qui voudra donner du lait. Ça va bien se passer. Mais comment as-tu pu les perdre? De tant de façons. Pour commencer, un coursier a apporté le colis de Rigurt à Fort Rivière et non à Rimmen. Puis, alors que notre navire embarquait, un ours-garou a attaqué et volé mon pain d'épices spécial. Et pour finir, mes célèbres ministrels ont disparu. Et on ne sait pas où c'est qu'ils sont. Ah merde. Alors, à savoir, quand il dit ours-garou, dans le monde des Elder Scrolls, ça existe. Ainsi que les cochons-garous. Je crois que dans Arena, ou Daggerfall, il y avait moyen d'être loup-garou, ou ours-garou, ou cochon-garou. Mais c'est pas cochon-garou, c'est sanglier, je crois. C'est l'amour sport. Ouais, non, mais c'est sanglier-garou. Mais le truc, c'est que c'est ultra vénère. Ah, ok. Faut pas croire, hein. Cochon-garou ou sanglier, forme, voilà. Sanglier-garou, c'est... Et c'est des vraies formes qui ont disparu dans les Elder Scrolls suivants parce que tu sais, les moyens. Je crois que dans l'extension Solstheim de Morrowind, donc dans le DLC de Morrowind, je crois que tu pouvais trouver sur des ours-garou. Mais c'est comme des loups-garous, mais très, très, très vénère. Et en fait, ça te donne... Là où loups-garous te donnent des bonus de force, ours-garous te donne des bonus d'endurance. Et je sais plus ce que de donner sanglier-garous. Mais c'était vraiment des trucs de bâtard. Hein. Dans Skyrim, on dit qu'il y avait un petit regroupement d'ours-garous. Oui, mais les ours-garous, ils se foutent pas de ta gueule. Ça existe et ça déconne. Zéro. Les loups-garous, à côté, c'est des chats. C'est la violence. Hein. C'est pour ça. Enfin bon. Bah, c'est rien, un petit package Amazon qui s'est perdu. On va vous aider à récupérer vos cadeaux disparus. Merci, mon ami. Récupérez le colis de Rigurt auprès de Tadara au marché de Fort Rivière et retrouvez-moi à Suture. La diplomatie de Rigurt n'attend personne. Ni homme, ni femme, ni chat. Sourire de droite. Les déserts d'Elsewhere sont riches en menaces moites. Moi j'étais obligé de rigoler en même temps que lui. Quand tu fais des rires comme ça, c'est des rires inclusifs si tu veux. Ok. Si ça ne dérange pas, qu'y avait-il dans le colis disparu? Les meilleures fourrures de tout bord de ciel. Oh. Un cadeau pour le haut chanoine Jusdo pour instaurer la paix entre les Nordiques et les Khajiits. Rigurt les aurait déjà si son messager n'était pas aussi incontinent. Le paquet a été livré à Tadara au marché de Fort Rivière. Ok, donc là on sait ce qu'est l'autre paquet, mais il le dit pas, si tu veux. Nous allons récupérer le paquet, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour le miel? Impossible de trouver du miel digne de Vendôme en Elsewhere. Mais un marchand chat dit que des fleurs à miel des fermes à sucre lune de Gueval pourraient faire l'affaire.
la cuisine de Rigurd t'apportera forcément la paix entre les Nordiques et les Khajiits. Putain, Rigurd, il est tellement tchad qu'il perd les cadeaux diplomatiques et après il en rachète d'autres à l'aéroport, si tu veux. C'est ça. Il va voir le président de la République française, il lui offre un porte-clés en Tour Eiffel. S'en bat les couilles. Zéro frame. Très bien. Nous allons cueillir les fleurs. Et pour les ménestrels disparus, Rigurd a engagé les meilleurs musiciens de bord de ciel, les mammouths hurlants, pour qu'ils jouent pour Damisa. Oh, ça a l'air métal. Une grande influence auprès des chats. Alors Rigurd doit gagner sa faveur pour obtenir la paix entre nos peuples. Aux dernières nouvelles, les musiciens sont à la porte de Valboisé. Compris. Récupérer le paquet, cueillir les fleurs, choper les ménestrels. Très bien. Ah merde, et du coup on n'a pas posé la question qu'est-ce qu'on a fait depuis la dernière rencontre. Pas eu le... Mais le est-ce que des astres l'a pas, pas eu. Non, tu l'as pas eu. Ça te dérange si on juste deux secondes le temps de... Tu est-ce veux lui reparler? Ouais, pour voir le dialogue. Vas-y, 1, 3, 2, 1. 3, 2, 1, clic. Merci mon ami. Récupérez le colis de Rigurd auprès de Tadara au marché de Jean-Rivière. Je le finis. La diplomatie de Rigurd n'attend personne. Ni homme, ni femme, ni chat. Qu'est-ce que vous avez fait depuis notre dernière rencontre? Le roi Skald a confié à Rigurd tout ce qui est loin de lui, alors Rigurd a été très occupé. C'est un travail difficile, j'ai rarement le temps de boire trop d'hydromel. Mais Rigurd est heureux. Alors c'est pas, il a pas le temps de boire de l'hydromel, c'est il a pas le temps de boire trop d'hydromel. Oh, ouais. Ah, il est minimum vital après, hein. Non mais arrête, le volume de cet homme, je sais pas si tu te rends compte, le volume de cet homme en mentalement, c'est uniquement parce qu'il se contient à sa forme physique qu'on n'est pas influencé par sa joie de vivre, si tu veux. C'est... Il a dit quoi du coup? En fait, il était là, le roi a donné à Rigurd tous les boulots dans les contrées lointaines. Rigurd était très occupé, il a même pas eu le temps de boire trop d'hydromel. Mais Rigurd est heureux. Mais qui sort... c'est trop stylé, il peut lire des bouquins en lévitation. Ah putain, oui j'avoue. En même temps, c'est un elfe noir. Il tourne les pages, hein. C'est normal qu'il soit stylé. Je pouvais faire ça, moi ça irait mieux. Ça doit être tellement pratique. Ça m'a toujours impressionné, moi, les épices comme ça, à la pelle, devant toi, dans des espèces de petits sachets en papier, tout ça. Les épices, ça vaut pas impressionné. Super... Impressionné. Oui, non, parce que ça vaut pas super cher. Genre, là, on a 30 000 euros devant nous, si tu veux. Ouais, il y a un gros... Tu vois. C'est comme s'ils mettaient de la poudre d'or, mais comestible, dans un papier comme ça, genre sur le marché, genre c'est dispo. Et tu veux dire les épices dans le monde d'Elder Scrolls ou bah, les épices dans le monde d'Elder Scrolls fonctionnent à peu près... Enfin, dans le lore, hein, pas en gameplay... mais à peu près comme les épices dans la vraie vie, c'est-à-dire si tu vas en bord de ciel, une pelletée de ça, c'est assez pour acheter une maison si tu veux. Mais ça c'est uniquement dans les bouquins et dans le lore et dans tout le reste. En vrai, dans le jeu, ils s'en battent les couilles. Mais c'est pour ça, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle le sucre lune, et notamment le skooma, a une telle valeur. Bon, le skooma parce que c'est de la drogue, mais le sucre lune parce que voilà, c'est 90% de la production de la Colombie, d'Elsewhere je veux dire. Où va-t-on? Eh ben, on suit la flèche. Eh ben, ouais, je vous suis. Mais cependant... Ah oui, bah, faut faire un peu de... Je regardais la map, pardon. faire un peu de chemin. On s'est pris un mur. Je veux pas vous perdre. Quand on suit, on fait pas simple. Je veux pas vous perdre. C'est bon. C'est bon, je suis Crane. Crane, dis-moi que tu suis. Oui, elle a pris deux virages, j'étais pas sûr, mais c'est bon. Putain, c'est bon, ouais, elle m'a fait peur. Ces mecs qui se cassent si facilement. Oh là là, au secours! Qu'est-ce qui se passe? Je suis Keblo dans une texture. Oh là là, mais mon. Ah, ça y est, mon PC est dans la muerte absolue. Attends, Elise. Les textures sont dans le décès. Moi, je voulais changer de PC avec Cyberpunk, mais va peut-être falloir que je m'y mette 2 mois avant, si tu veux. Alors. Est-ce qu'il y aura tes os sur Stadia? Vraie question. Est-ce qu'il y aura tes os sur Switch? Plus, ouais. Ils sont allés où, du coup? Putain, ils ont... On les attend, mais ils mènent leur vie, c'est ça? Vous m'avez semé, putain. On fait une autre quête à côté. Là, c'est bon. Je sais pas comment j'ai réussi à couper, mais je vous ai rejoint.
C'est comme dans les jeux de voiture quand tu perds les... Il fallait être fufu. Et c'est comme dans les jeux de voiture ou à la GTA quand tu perds l'objectif, tu sais que tu prends deux virages au pif et que tu le retrouves et t'es trop content, t'es là yes yes yes. Ah, on me dit Tezo sur Stadia, c'est annoncé par Google. Ah bon? Eh mais est-ce que Bethesda est au courant? Ok. C'est par là, par en bas. Non. Merde, je me fais attaquer par des goupilles et des wapitis. Au secours. Mais c'est pas du attends, tout là, attends, fait. Attends, elle est non. Elle est oui, j'avoue. On a ouais, perdu Elise. Il faut reprendre le chemin. Mais oui, il faut prendre la route principale. Qu'est-ce qui se passe? Bah oui. Mais c'est vous qui êtes parti faire n'importe. C'est très gentil, Servine, mais là, je ne peux pas. Alors, je suis content. N'importe quoi. Je suis content parce que comme je suis passé level 50 lors de la dernière émission, lors du dernier épisode, hein, c'est pour ça, j'ai mon petit level 50 qui va bien et quelqu'un est en train de me faire une armure et donc va mettre mes stats à jour. Donc je vais enfin pouvoir mettre des patates dignes de ce nom. Pas forcément bien plus fort, mais c'est bien d'être à jour, si tu veux. Oui. C'est de l'exploitation, hein. Mais ça devrait te plaire, c'est du communisme. Le cours du safran, en ce moment, c'est entre 30 et 40 euros le gramme. Oh la vache! Bouah! Et l'autre il en fait des pelletés de genre oui je te mets un peu de 45 avec. Il offre ça comme des Haribo si tu veux. C'est super cher ça. C'est incroyable. 40 balles le gramme. Les magasins ils en vendent, c'est des toutes petites capsules, il y a quasiment rien dedans. Ah bon? Moi je pensais que ça s'achetait avec tu sais les trucs que tu fais, les herbes parfumées comme le persil ou trucs comme ça que tu mets dans tes nouilles si tu veux. Là c'est des nouilles goldées alors. Hein, putain. Les nouilles, elles ont intérêt à être bonnes, elles déconnent zéro. Pourquoi il y a un des draps sur le pont? Ah mais c'est encore un gars avec un costume. C'est toujours le même. Oui, mais voilà. Non, parce que t'as Gookie qui attend sur le pont, tu sais, en mode Street Fighter, et il est où Ryu? Qu'est-ce que... Il se passe un truc. On avait tiré à la balise. Et voilà. Est-ce que c'est là qu'on avait défoncé un dragon? C'est Alors, exactement juste ce un que t'es en train de dire, Craig. Tu veux dire caisse? Ah, on va pouvoir faire ça, mais juste je fais du... Du rangement. Je vais y arriver. Ah, ma boîte mail est full. Ah oui, tu... Ah d'accord, donc c'est le vidage vidage des boîtes mail. Bah oui, parce qu'à cause, vous savez, des matériaux qu'on reçoit là tous les jours. Oui, bien sûr, bien sûr. Ah ouais, ça j'ai arrêté ça parce que... T'as raison, je fais de la place en prévision... En prévision des dons. L'exploitation capitaliste. C'est ce qu'on m'a dit, on m'a dit que ma boîte était full, donc... Donc Crane, il accepte ce qu'on lui donne, mais il faut pas que ce soit, il faut pas qu'il soit responsable, il faut pas qu'il ait demandé, si tu veux. Donc il faut deviner ce qu'il veut. Il m'a dit, non, il m'a dit que je le paye ce que je veux derrière, tout ça. Oh, c'est propre. Alors sur quoi, Crane, alors? Bah, j'en sais rien, et c'est, il a dit qu'il... j'ai demandé deux trois trucs à droite à gauche, mais je suis un peu embêté, enfin c'est très gentil de me la crafter, mais je voulais vraiment passer commande, comprendre un peu plus précisément, mais bon. On va dire que tout va bien se passer. Alors je viens de tomber sur un livre qui s'appelle L'Alphic Colérique Florilège. Et apparemment c'est un livre de comptines avec des histoires et des morales drôles pour Khajiit. L'Alphic Colérique et le Tchench. Non mais c'est un livre qui fait au moins 3 pages, c'est long, c'est chiant, voilà. Il y a un livre de la Guilde des Mages là-bas. Ah ça part. Où ça. L'Alphic Colérique et le Luth. Ah non, il y a rien du tout, tu m'as menti. Il y a écrit « Obédience les Khajiit ». C'est du coup, c'est que je dois déjà la voir, en fait. Alors, je tiens à dire, c'est cool parce qu'il y a 4 histoires. Est-ce qu'on pourrait en lire une chacun? Ah, j'ai un double appel, attends. Vas-y, il faut qu'on avance. On a plein de quêtes à faire, ouais. Bob. Je m'excuse, mais ça avait l'air marrant. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est sans importance, allons-y. Tadara. Ah oui, c'est lui. Lui dont je parlais tout à l'heure, mais j'avais pas pu le montrer parce qu'il était pas là. Attendez que les textures se chargent, voilà. Nous avons Tahar Zefidi, un joueur qui a tout compris à comment être un rouge garde. Voilà. Tu fais difficilement plus rouge garde que ce mec. C'est le rouge garde qu'il y a dans les dans les artworks. Tu sais, voilà. Ou tu sais, c'est marqué en dessous Red Guard. Tu vois, l'artwork fait par Kirkbride, si tu veux. Voilà, oui, il y a la classe. J'avoue, la classe. Ça rend bien. Oh là là, mais elle est mignonne cette Tadara, elle est bien habillée en plus. Bon, attends, les textures chargent, mais... Non, mais je suis désolé, hein, ça va être un vrai problème. Je sais pas pourquoi, mais mon disque dur en chie... Non, mais c'est pas que toi, hein. Souvent, les textures des... Faut bien que tu te rapproches, ça met un peu de temps, etc. Ouais, mais non, là c'est plus flagrant que les dernières fois, si tu veux.
Mon PC oublie plus vite. Donc c'est le pas, PC c'est qui pas... meurt. Ouais, c'est ça, hein, ça arrive. En même temps, The Witcher 3, ça a combien d'années déjà comme jeu? Il est sorti en quoi, 2015? 2015 peut-être. Donc ouais, ça fait 4 ans, un peu plus. Bon, c'est pas grave. Du coup, Talas, quand vous voulez, Elise. Oui, j'étais en train de tester des couleurs ce matin. 3, 2, 1, clic. Félicitations pour avoir trouvé la meilleure marchande de vêtements de tout Fort Rivière. Je vois que vous avez désespérément besoin de changer de style. Mais je t'emmerde! J'étais en train de changer de couleur! Eh ben honnêtement, comme elle est fringuée, moi je prends son conseil si tu veux. Non mais ça va bien. Gne, gne, gne. C'est pas mal, c'est pas mal. Qui un désastre? Ouais. Je viens chercher un colis pour Rigurt. Miaou. Pécale. Ah! Oublie. Je me demandais combien de temps j'allais encore devoir garder cette puanteur dans ma boutique. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais ça sent la joue de cheval chaude. Votre ami Rigurt vous a parlé des frais de livraison, oui? Il y a des frais de livraison. Le messager qui a apporté le paquet de Rigurt demandait un paiement à la livraison. J'ai supposé que quelqu'un viendrait récupérer cette chose nauséabonde, alors je l'ai payée. Mais il faudrait me rembourser quand même. Ah, les enfoirés, bien joué. Et à combien s'élèvent les frais? Regardez la facture par vous-même. Je ne voudrais pas que vous doutiez de ma bonne foi. Tout est en règle, oui. La violence, nous ne vous devons rien. Nous allons vous dénoncer pour chantage et exhibitionnisme. C'est le mec sans pitié, rajoute des charges. Moi, elle me demande pas beaucoup, donc... Ouais, non, mais c'est 69 balles, on va lui lâcher sa pièce, ouais. Calmons-nous. Allez. Oui, tenez, voici votre or. Oui. Oui. Merci, mon ami. J'ai hésité à accepter ce paquet étrange qui sent la bave de chien caillé, mais je voulais rendre service. Revenez me voir si vous voulez que je vous aide à adopter un style vestimentaire moins... inadmissible. Bon, elle nous parle mal, mais honnêtement, voilà, on aurait pu l'intimider pour lui voler de l'argent, je m'en serais senti mal. Moi, je m'en serais senti mal. T'as été très vite pour dire « on paye des astres ». Est-ce que tu n'aurais pas oublié de mettre ton point dans « intimidation » ? Je regarde. Attends, t'as été tellement vite pour nous dire on n'intimide pas. Ouais, ça sent l'arnaque quand même. Hein. Ouais, mais autant la plupart du temps je suis chaud pour intimider, si tu veux, autant là ça me paraissait légit. Bah oui. Donc ouais, voilà. Surtout pour 69 balles quoi. Non, puis en plus la deuxième phrase qui disait on va vous dénoncer pour chantage. Oui, ça c'est. Ah c'est un peu... Ça c'est génial. Et puis j'aime bien, on va vous dénoncer pour chantage. Le mec, à qui On est chez les Kajit. Ouais. Les membres de la police fonctionnent avec le chantage. Leur salaire fonctionne au chantage. La reine est reine parce qu'elle fait du chantage sur tout le pays, si tu veux. Donc je me demande comment ça fonctionne. J'ai fini, je t'envoie tout par elle. Super, merci Drakanvar Akin. Je sais pas comment ça se dit ou ça se prononce, mais c'est sans doute un nom draconique. En tout cas, il était fumé. Il avait vraiment une armure ultra stylée. Du coup, allons-y. Où étions censés parler à Rigurt? Putain, il faut faire un. Enfin, il faut revenir. Non, faut aller à Suture. Attendez, je vous demande un petit instant. D'accord, mais ouais. Est-ce qu'on y va à pied ou est-ce que vous voulez que je compte épée? Parce qu'il y a un oratoire juste à côté, si Bob t'as peur de perdre... Ouais, mais c'est l'aventure, si tu vois. C'est tout droit, hein. C'est l'aventure, hein. Moi, c'est la musique, c'est un Zano, je la fais pas parce que Crane s'est fait démonétiser une fois, mais... Il est trop bien. Quoi, il est trop bien? Elle est trop bien, ta aventure. Ah, le Gouar. C'est pas un Gouar, ça, c'est un chameau. Le dromadaire, moi, pardon, tu parles de moi? Oui, pardon, oui. Ah, je suis content, regarde, il crache. Regarde ça. Le chat, on est d'accord que je venais de vider ma boîte aux lettres. Hein. Vous m'avez vu vider ma boîte aux lettres. Parce que j'ai vidé ma boîte aux lettres et après, on me scène pour me dire ta boîte aux lettres est toujours full. Je rouvre ma boîte aux lettres, il y a un million de trucs dedans. Oui, parce que c'est les courriers que t'as en attente, en fait. Il faut que tu vides jusqu'à qu'ils soient plus là. Quoi. Oh là là, il se fait flou. Le mec, c'est le président de la Jordanie, quoi. Non, c'est les trucs automatiques. C'est un président, la Jordanie. C'est Kraft. Ouais. Ça rien du tout. C'est un... Oui. Je sais pas. C'est un roi. Quand même, il y a quand même le je sais plus comment ça s'appelle, mais le... C'est pas un Sencherat, mais c'est un nom comme ça. Katairat. Oui. Non, je sais plus comment... C'est des espèces de tigres qui sont plus grands. Les Kajiks sont plus grands, en fait. Voilà. Caisses, qui portent les caisses, là. Voilà. Je suis sur mon... Je suis sur un chameau, hein. Je suis à son niveau de yeux. Je peux lui parler de tête à tête, si tu veux. C'est la violence. Et pourtant, je suis un nordique, hein.
Techniquement, il n'y a rien de plus grand qu'un nordique à part un haut elfe hein, dans le lore, hein, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Je trouve que la... ma monture va plus avec ma tenue. Faut que je change de monture. Bah voilà, c'était bon. Enfin. Ah oui, au fait, montre ton Indric. Bram un coup pour voir. Voilà, Bram encore. Impeccable. Ce goire, par contre, il est magnifique. Hein. Ah, voilà qui est mieux. Le goire du gars, il est beau. Hein. Avec un bébé goire, mais il a une famille de goires. Est-ce que t'entends le bruit de mon Indric quand je saute? Ah oui, bien sûr. Oh là là! Ah oui, c'est vrai que ça grince un petit peu. On dirait une chaise qui grince, hein. Un peu. Ah bah non, c'est un petit bruit de caribou, c'est beau, hein, c'est libre. Hein. C'est fantastique. Ah non, c'est une porte qui grince. Hein. Moi, j'entends une porte. Mais de lui, le crane, purée. Bedejda qui commence à paniquer, ils sont en sueur parce qu'ils ont déjà épuisé tous les motifs pour les Zindrik et pour les Senge. Ils savent plus quoi vendre. Est-ce qu'on a essayé les tigres roses à pois verts? Oui. C'était la semaine dernière, et merde. Bon, les enfants, ils s'agiraient d'avancer, on a oui, pardon, allons-y. Excusez-moi, j'attendais Crane, mais il a dit que c'était bon, donc allons-y. Cataclope, oui, cataclope. Allez, go. Allez, yaaah. Je vous mets le bonus de vitesse, ça devrait aller vite. C'est ça. Moi, je fais le bruit du chameau. Je l'ai pas eu. Je suis derrière, je l'ai pas eu. Merci. Je fais le bruit du chameau. Voilà, c'est à peu près ce bruit. à peu près. Oh, droite. Ça va, c'est on est au coude à coude avec Crane. Droite, t'es sûr, Elise? Moi je te vois non. Pas. Hein. Ouais, ça va couper. Couper à gauche. Non. Sud. Ah putain, je suis pile sur toi. Bah dis-toi que le truc, c'est que si j'avais mon add-on qui fonctionnait, ça ouais. Ma carte normale. Mais j'ai été empoisonné. Peste couille et miséricorde. Oh well. J'en peux plus à chaque fois. Dragon. Où ça? Vous voulez taper le dragon? Ah, il est presque mort, Gaulish. Ça fait du loot. Oh putain. Ah. Oh. Oh le beau. J'ai déjà fait la quête. Oh polo. Yeah. Alors là, faudra que je vois si j'ai encore de l'XP. Expérience accrue 35 minutes. C'est bon. Je crois que j'ai plus de bouffe. Combien de HP? Esquive. La foi. Ah, j'en ai plus. Vite. Pas l'impression de soigner des gens. Hein. Bon. Oui, c'est bon. J'ai tout réussi. Oh, ouais. En journée, c'est tellement compliqué de trouver des gens qui tuent les dragons là. Il fait super mal, j'ai vraiment l'impression de cramer à l'infini. Hein. Bleh. Il y a une AOE autour de lui. Je la vois pas, hein, mais ouais, on l'a eu. P4. Ouh. Ouais, le loup. Une besace de documents mi digérés. Pourquoi j'irais ouvrir ça, putain. Oh là là, loot dedans. Un croquis. Lanterne d'Elsewhere, anneau en métal. Oui, un étal à épices d'Elsewhere. Bon, sans doute sans épices, mais. Parchemin d'expérience à couronne, c'est 50%. J'en avais un qui valait 200 000 là, 150. PK, n'oubliez pas les parchemins, n'oubliez pas de boire vos potions, n'oubliez pas de. J'ai tout envoyé. Oh, est-ce que j'ai eu du mail? Je suis plus plein cette fois-ci, Servine. No panique, Drakan, je suis sûr que je vais recevoir ça incessamment sous peu. Allez, ya! Ah, en parlant du loup. Ouh là là, l'armure du Lénon. Ouh là là. J'ai eu pas mal d'achievements en tuant les dragons. Je crois qu'elle est le dernier. Voilà. J'ai reçu mon armure du Zodiac. Mon armure de chevalier d'or. Sauf que je la mettrai quand on aura un temps de mou. Ouch. Ah! Oh là là! Tu m'as trahi, Indric. Bon. On regarde le temps. Mais ma vie est bloquée ou quoi? Ça passe d'ici, mais il faut juste pas sauter. Tout
la roulade. Allez, zou. Tout va bien. Merci, désastre. Hein. Grâce à ton buff, j'ai survécu. À 2 PV, merde. Ou un vrai chameau. Plaît. C'est pas, il n'a pas vu. C'est quoi? C'est passé. Il a tapé le chameau. T'as rien fait. C'est une Comment tu caftes des as? C'est une référence à Conan. Il n'y a. J'ai pas c'est tapé le chameau, je lui ai mis une gifle, c'est et pas du pareil. Du coup, t'es en combat, tu peux plus remonter. Mais si, regarde, là, c'est un cataclope. Oh, merci. Allez, ya yeah. Qui pense qu'une charge de cavalerie à bord de chameau, ça peut faire flipper? Ah bah, ça doit, oui. À mon avis. Hein. Parce qu'un chameau, on les respecte pas parce qu'ils ont l'air cons, je suis d'accord. Ah, effectivement, ouais. T'as pris un virage un peu large, un peu sec ton virage, j'avoue. Ok, nous y voici. Nous voici donc à Suture. Ah bon, y était là. C'est la fourrure qui frétille de bonheur. Raxia, l'horrible usurpatrice a été renversée. Il n'y a peut-être pas assez de sucre lune dans toute Tamriel pour fêter la nouvelle. Elle a une culère. Tout à fait. Et un étranger est venu nous y aider, ce qui est merveilleux. Je remercie tous ceux qui ont participé. C'est la tempête, chemin. On y est. On était toujours des petits noms avant les noms de tout le monde, là. De quoi, un désastre ? C'était pas ici où il y avait un PNJ, quand il nous parlait, à chaque fois, il mettait des adjectifs improbables. Oui, c'est lui, oui. Si. Voilà. C'est ça. C'est pas celui qui est en bleu, là, assis sur la chaise ? Non, c'est pas lui. Seigneur Judo. Ah si, c'est lui ! Non. Pas dit, hein. Non. C'était un Khajiit. Oui, c'était un Khajiit en bleu, mais... C'est lui, c'est sûr. C'est sûr. Oh, le niveau de casual racisme, on est obligé de faire un rire de droite. Ah ouais, hein. Je vous l'ai... Rire de droite, hein. Voilà, c'est obligé. Garantie. Garantie. Alors, je sais pas quelle est la position pour s'accouder à un truc, mais l'Est Amber, il maîtrise, hein. Le mec, il a compris toutes les positions situationnelles. Hein. C'est... Et lui, il est tellement... Mais il me fait flipper lors de Dagoth Dove. Tu vois, il nous suit comme ça, il nous juge. Toujours les bras croisés, il est toujours à 2 mètres, si tu veux. Qu'est-ce qu'il... J'ai fait une connerie, tu sais. Excusez-moi, monsieur, qu'est-ce que vous me voulez? J'attends. Ah. Vous attendez quoi? Il est dit rien, si tu veux. Ah, c'est lui qui m'a fait l'armure. Draka Varrakin. Et justement, je voulais montrer son armure en texture. Quand ça aura chargé en gros plan, qui est apparemment l'armure impériale de PVP centrale de Cyrodiil qui déchire tout. Et ouais, c'est luxe, hein. C'est luxe. Bon, le tatouage facial, c'est clairement parce qu'il jouait à Call of Duty Ghost quand il était plus jeune, mais sinon, le reste, c'est incroyable. Bon, tu peux nous trouver un. Mais c'est toi qui dis les 3-2-1, hein, allons-y. Ah non, mais je pensais que tu voulais nous montrer un truc. Okay, ah, bah, après. Et on regarde le buet. Après, allons-y. 3, 2, 1, clic. Mon ami si utile, Rigurte est satisfait de vous voir revenir du désert avec tous vos membres. Avez-vous trouvé le colis égaré à Fort Rivière? Crane? Oui, mais on a dû rembourser Tadara pour les frais de livraison. Non, oh, Rigurte avait oublié les frais de livraison. Vous allez trouver ça étonnant, mais il oublie beaucoup de choses. Surtout quand il boit de l'hydromel. Donc, tous les jours. Ne vous inquiétez pas, Rigurte vous remboursera dès que nous aurons conclu cette mission diplomatique. Voici le paquet. On va cueillir les fleurs à miel. Chanoine Jujdo d'Alma, je suis Rigurte de Vendôme. Au nom du roi Skald, je vous présente un cadeau de paix nordique pour le rapprochement de nos cultures. Votre cadeau est-il un chou rance? Parce qu'il sent le chou rance. Pas du tout! Rigurte vous a apporté l'une de nos plus belles fourrures de tigre à dents de sabre des neiges, bien qu'elle était peut-être stockée près des choux. Des choux qui ont pu tourner. Votre cadeau est un vêtement chamor? Ce n'est pas un cadeau de paix, c'est un crime de guerre. Ce sont les plus belles fourrures de Vendôme,
qui ne voudrait pas se draper dans nos si soyeuses peaux de chat. Dites au roi Skald que s'il veut poursuivre notre guerre, la reine Eren exaucera son vœu avec plaisir. Le message de Rigurd va parvenir à la reine Eren, dirigeante du domaine Aldmeri. Rigurd se sent si important. Il a rien compris, le mec. Ah, il est divin. Il est inarrêtable, instoppable. Toutes les statistiques le détestent. Les scientifiques le haïssent. Ils connaissaient ces techniques secrètes incroyables, c'est pour ça. Alors par contre, je suis en situation d'urgence, chers amis. Je vais demander une pause d'environ une minute pour 1. gérer le caca du chat. 2. Tu l'as entendu. Voilà, relancer l'enregistrement. Parce que je suis tombé à 16 FPS pour des raisons qui me sont obscures. Et 3, voilà, gérer tout ça, c'est déjà pas mal. A tout de suite, du coup. Ok, bah, je fais une petite déco-reco. Je t'en prie. Ouais, je fais pareil, moi aussi, je reviens. Bah, c'était toi. Oui, non, mais c'est toi qui gère la VOD aussi, tout le reste, je te laisse reprendre. Mais moi, j'ai pas de coupure, moi. Ah, pardon. Ah, merde, Robin. Tout va bien. Dans ce cas-là, brave Jean, Et nous sommes revenus alors que j'ai pu m'équiper de l'armure qu'on m'a offerte, parce que être assisté, c'est aussi ça, être youtubeur. Alors, globalement, je ressemblais à ça avant, et vous vous souvenez de la gueule de Chevalier d'Or que j'avais qui ne ressemblait à rien. Et là, c'est Shredder. Oh là 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 là. Shredder, ah oui, des tortues ninja. Voilà, ces maudites tortues, j'en ferai de la soupe. Ça déconne, zéro. Et honnêtement, ah ouais, ça déchire le style. Je trouve que c'est très très joli. Tu l'avais mise sans le casque, mais avec le casque, ça déchire. Oui, pour le mais coup, là. Il y a du vert moche. Alors, il y a du vert moche et regarde, la couleur du bouclier en bronze or ainsi que l'épée n'est pas correspondante, mais c'est pas du tout de sa faute à Drakkan. On pourra facilement la repeindre à un établi de repeignage. C'est sa faute, c'est lui qui l'a rendu comme ça. Non, alors... mais il peut pas la peindre si tu veux, il peut la faire sortir que comme ça. Après, c'est une question de repeindre, mais en tout cas, ça rend ultra bien. Mais c'est clairement une armure quand on est dans un royaume d'Edric. Hein. Ça, si c'est pas une armure d'Edric, je sais pas ce que c'est. Alors, voilà, c'est pas d'Edric, mais tu vois ce que je veux dire, ça ressemble à du Dédra à Donf. Hein. C'est beau. Hein. En tout cas, voilà. Et ça me fait des stats. Ouais, c'est pas une armure pour aller chercher des fleurs. Ouais. Exactement, ouais, pour le coup, voilà. Mais, et ça me fait des stats qui sont, somme toute, très très proches, donc, enfin très très propres, donc moi j'en suis très content. Donc du coup, je renlève mon casque. Voilà, par contre. Maintenant t'es level 50. Hein, ah, ouais, ça y est, ça veut plus rien dire. J'ai des épaulettes qui font. J'ai littéralement la tenue pour aller chercher les fleurs. Ça, j'ai chercher les pâquerettes. C'est vraiment parce que ça ressemble beaucoup à mon armure, quoique non, on remarque. Hein. Ah, c'est Xifkin, on me dit. C'est Xifkin, ok, très bien. Je sais pas ce que c'est les Xifkin, mais. C'est là. Et du coup, c'est l'heure d'ouvrir des caisses! Ah oui, tu as déjà oublié, moi. Des caisses. Regardons les caisses. Ce que tu veux, on s'en bat les couilles. Allez, vas-y, chaton. Salutations. Au choix. Vous êtes prêts? On y va. Allez, nouvelle lune, c'est parti, go. Sauce-moi, chaton. Oh, une dorée. Oh, une violette. Le consumérisme, un parchemin d'expérience. Oh, parchemin d'expérience aussi. Ah oui. Allez, déjà. Une fois qu'il donne une dorée en nouvelle lune, c'est un parchemin d'expérience, c'est fabuleux. Fantastique. Deuxième sauce. Allez, deuxième sauce. Ouh. Choisissez une dorée. Le parchemin d'expérience. Une cinquième. Vraiment que de la merde. Dorée en cinquième. Oh, un casque de mort. J'ai le casque de Zemmour. Oh ouais, cool. Montre-nous le casque de Zemmour. Impeccable. Pas de oui, je sais. C'est bon ça. Est-ce qu'on s'en saucerait une troisième? Casque de Zemmour. Ah, il a eu. Au revoir, mon ami. Ah bah tiens, celle d'Elise. Ouais, c'est ça le signe. Ah, c'est celle que voulait acheter Bob à une époque, non? Laquelle? Le Smilodon à tête de mort. Ah oui, je l'avais pas acheté, je l'avais gagné. Attends, il y a un truc que t'as... Ah oui, non, c'était autre chose que t'avais voulu lui acheter, j'ai confondu. Oui, non, bien sûr. Mais bref, vous l'avez tous les trois. Moi, je l'ai pas. Le casque de Seymour, il est comme ça, il est très moche, je l'enlève. Oui, bah c'est troisième. Un casque. Voilà, c'est pour ça. Troisième caisse, on sauce. Allez, on sauce, et là, ce coup-ci, je prends une caisse Bandari, parce que ça fait bander. Allez, chaton. Sauce-nous. Oh, bébé. Pour cela, il suffit d'une caisse. J'ai que du bleu nul. Et puis, nous pourrons commencer. Et que des trucs que j'ai déjà. J'ai que de la merde, ouais, je... Pas de chance. Moi, sur les trois caisses, j'ai eu deux bleus que j'avais déjà et un parchemin. Bon, est-ce que par désespoir, on s'en ouvre une quatrième? Mais c'est vraiment le gambling. Hein.
Allez, c'est là que vous comprenez que c'est pas bien, parce qu'on encourage quoi, le fait de rien avoir, par en ouvrir plus. Tout à fait. C'est pas bien, mais tout bon. Tout à fait. Mais nous, on peut se permettre ce genre d'addiction. J'en ouvre une quatrième. Allez. On va se refaire. Choisissez une réponse. On va se refaire. Non, j'ai encore une bleue. Que de la merde. Allez. Allez, trois bleus que j'avais déjà, c'était bien. C'est bien. Et le pire, c'est que le chat, il a là une gemme brillante. Félicitations. Ouais, non, c'est de la merde. Je te rassure. Je te rassure, bébé. C'est du caca. Voilà, c'est ça. Allez, hop. Transformez-moi tout ceci. Quoique le parchemin à 150% d'expérience, ça vaut 33 gemmes. Hein. Je vais le transformer. Ah ouais, parce que... c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est pas rien. Hein. 33 gemmes, ça se transforme facilement en petit objet à la con. Hein. Ça veut rien dire. Voilà, oh, j'avais une caisse avec 10 tambourins d'enfant. À la prochaine. Avec des tambourins. Quoi, mais pourquoi je me fais agresser? Par qui? Voilà. Ah, chope là, vas-y le Khajiit, vas-y. Mais j'ai rien fait. Je suis là. Fugitif aux yeux de la justice. Ça reste un membre de l'équipe si tu veux. On se serre les couilles. Mais t'as vu que je touchais personne? J'ai rien fait. Mais ils savent que c'est... Ils l'ont lu dans tes yeux. Je me suis fait agresser, c'est pour rien. J'avoue. Mais t'en fais pas, il a reçu une gifle qui devrait le calmer. Mais il doit y avoir du loot. Voilà. Ouais, bon bah oui. Je l'ai pas pris parce que... Je l'ai pas pris parce que c'est du vol. Oui. Il le tue. Ah non, meurtre. C'est de l'autodéfense. Et j'appellerai ça même, c'est de la défense citoyenne. Quand tu vois quelqu'un qui agresse un autre dans la rue, t'as le droit d'intervenir, si tu veux. T'as le droit de le tuer. Alors non, mais ça, en même temps, je suis un nordique. À un moment, niquez-vous. Et t'es un nordique, il y a dick. C'est ça. C'est voilà, exactement. Un big nordique énergie, donc pas casser les... Le meurtre n'est pas du vol, c'est faux. Tu lui voles tous ses espoirs, tu lui voles son futur, tu lui voles tout. Alors, si ses espoirs, son futur, sa gloire et sa vie consistaient à attaquer une Khajiit dans la rue, à un moment, il mérite des gifles, si tu veux. Moi, il y a un ordre de priorité, hein. Il avait qu'à pas traverser plus tôt, il avait qu'à prendre un café le matin. Il aurait attendu 5 minutes de plus au lit, tout ceci ne se serait pas passé. Donc... Oh, une fleur de miel, bien vu. Merci. J'ai. Ouais, j'ai... Oh, j'ai gagné un point de champion. C'est pas du miel, mais... Ah ouais, là, tu vas en gagner beaucoup. Ah oui, ah bah oui, t'es au début en plus, fait, donc quand même. Est-ce que les points de champion, ils ont exactement le même nombre d'XP au début ou pas? Non, mais... Comment ça? Est-ce qu'un point de champion, passé de 1 à 2, c'est pareil que de passer de 751 ou pas? Non, c'est crescendo. Juste par exemple, moi là, pour passer à 1114, il me faut 900 000. Oui, mais il n'y a pas un soft cap ou je sais pas quoi? Non. D'accord. Oh, c'est sans grande importance. Ça me semble pas, après ça fait tellement longtemps. Bon, sans grande importance, c'est pas mal les points de champion. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que ultimement ça va se faire, si tu veux, je m'en inquiète pas. Après, est-ce qu'on sera encore en OP quand on aura maxé nos points de champion? Ça veut dire que l'OP elle aura duré très très longtemps. Tant mieux. Quand même, hein, écoute. Hein. Quand même. Là, il faut aller sud-est, je crois. Ouais, oui, bien vu. Bien vu. En bas à droite, allons-y. Mais après, je crois ce qu'il faisait pour l'XP, c'est qu'à chaque fois qu'il rajoutait 30, quand il débloquait, maintenant il les débloque plus, on est bloqué à 810. Mais en gros, l'XP nécessaire pour arriver niveau max était toujours la même en fait. Donc il réduisait l'XP nécessaire pour gagner. D'accord. C'est intéressant parce qu'en même temps, c'est logique dans le sens où le nombre de quêtes dans le jeu n'augmente pas non plus. Donc un mec qui aurait déjà tout plié, si par exemple ça ne te permet de déborder que de 20% environ de ton XP maximal, de faire toutes les quêtes du jeu, c'est pas en rajoutant un DLC et avec qui a une dizaine de quêtes dedans et un nouveau cap que tu peux... Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. J'adore dans le bouquin, les chats tentent de corrompre notre jeunesse avec leur sucre toxique. J'avoue. Oh putain, Lord Dagoddov qui revient avec la même armure que je portais mais en rouge et plus stylé. Est toujours aussi musculeux et toujours autant en train de juger. Hein. Le jugement est total. Ah, Rigurt qui fait la popote. 3, 2, attends, 1, attends, clic. Attends. Non, pas clic. Ah, j'ai cliqué. Ah, au revoir. C'est bon. Sur la table,
le sucre lune, oui. Un rapport. Mais c'est ce que je viens de dire, mais... J'avais pas vu. Ça fait 3 pages, ça parle de sucre lune, on s'en fout. C'est où? Je l'ai jamais. Du ragoût à côté du sucre lune. Ok, on peut y aller. On peut y aller. Rigurte qui fait la popose. 3, 2, 1, clic. Oh, c'est sans doute l'odeur de ma pâte qui vous a fait venir. Ma pâte. Et n'hésitez pas à regarder les muscles saillants de Rigurt pendant son effort. Vous avez apporté les fleurs de miel. Si Rigurt sait une chose sur les chats, c'est qu'ils aiment les sucreries. Putain, c'est du Rigdic énergie, quoi. Rigurt, il est tellement prêchant. Qui fait le texte? Moi. J'ai apporté les fleurs à miel, mais vous ne devriez pas les ajouter dès le début de la recette. Pas du tout. Le ventre de Rigurt se moque bien qu'on avale l'hydromel ou la viande en premier, alors ça vaut aussi pour le bol. Rigurt a accompli de grandes choses en traitant toutes les situations comme il traite son ventre. Donnez les fleurs à Rigurt et il va les ajouter. Si vous le dites, il y a autre chose que je peux faire, hein? J'ai vu à Saldak le célèbre confiseur qu'agite près de la fontaine des fermes de Gueval. Demandez-lui de goûter mon pain d'épices. Son aval convaincrait les qu'agites que les Nordiques mangent autre chose que des pommes de terre congelées et inspirerait une estime pâtissière entre nos deux cultures. Pâtissière. Nous allons parler à... Enfin, nous allons inviter à Saldak à votre dégustation. J'arrive plus à parler, c'est un enfer. Oui, j'avoue, c'est le sort de choses qui arrivent. Bois un couteau. J'arrive à critiquer, mais à parler. Non, mais bois un couteau, bois un couteau. Oh, putain, il rôde dans la boisson. Putain, c'est fantastique. Honnêtement, c'est la grosse philosophie de vie. Hein. Le mec qui est là, je traite toutes les situations comme je traite mon ventre. Putain, il fait rêver cet homme. Ah, il est fantastique. Il fait rêver parce qu'il bat toutes les statistiques. Hein. Tous les jours, on se demande comment il a encore envie. Hein, mais. Oh, il y a une toque! J'avoue. Attends, il y a un livre. Calperva, l'astucieuse et la grande fanfaronnade, volume 2. Ouais. Ok, très bien. Que se passe-t-il? Non, rien, il m'a gassé à côté, c'était ça durait trop longtemps, donc je suis intervenu. Tout va bien. Ok. 3, 2, 1, et clic. Je comprends que vous vouliez me parler, mais je ne signe d'autographe que lors d'événements particuliers. Et je ne parle à mes admirateurs que... En fait, je ne parle jamais à mes admirateurs. Oh là là, Léonard de Vinci, hein. Ça déconne zéro. C'est à moi, je crois, là, non? Non, c'est à Bob. Élise en a pas fait beaucoup, je laisse continuer en analogique. Moi, je n'ai même pas eu deux petites phrases, mais c'est pas grave. Bah, t'en auras plus. L'ambassadeur nordique Rigurt aimerait que vous goûtiez à son pain d'épices. Un jour, on m'a invité à bord de ciel pour goûter à leur cuisine. Mais j'ai refusé, parce que je déteste le froid et la mauvaise nourriture. Et les Nordiques en général. Je vais goûter le pain d'épices de ce Nordique pour rire. Dites-lui que j'arrive très bientôt. Il y a l'autre qui rôde derrière. Oui, c'est vrai, c'est je vais prévenir Rigurt que vous le rejoindrez au fer de Gueval. Ce Nordique a intérêt à finir sa cuisine avant mon arrivée. Je n'aime pas qu'on me fasse attendre. Et comment êtes-vous devenu aussi célèbre? Contrairement à vous, j'ai passé du temps à affiner mon art au lieu de poser des questions idiotes. J'ai sublimé la gastronomie d'elsewhere. J'étais le chef personnel de la grande crinière. J'ai préparé des repas pour bien des Nordiques baveux. Mais je n'en ai jamais vu un cuisiner quoi que ce soit de comestible. Alors le mec il est là, je suis un grand maître cuisinier qu'agite. Donc en fait ce qu'il fait c'est qu'il prend du sucre lune, il en met, il refait cuire, il change de côté à la viande, puis il met du sucre lune, encore du sucre lune, un peu de safran et c'est bon. Moi quand il me dit contrairement à vous j'ai passé du temps à affiner mon art, il a pas vu le temps que j'ai passé à faire la guilde des assassins, mais il va très vite voir ma compétence en la matière. Après on a besoin de lui pour la quête, après tu montreras comment ça se passe les pralines chez toi, vas-y. Il y a un début à tout. Vous pouvez goûter le pain d'épices de Rigurt aux fermes de Gueval. Cet OBSP pour ce pain d'épices. Même moi ça commence à me hyper. Hein. Super bon le pain d'épices. Alors il a mis le miel après, donc à mon avis, mais... Eh,
C'est peut-être un génie malgré lui. Il a pas mis miel, il a mis les fleurs à miel. Tu te rends pas compte, c'est un génie. Sauf que son pain d'épices, il sert de mortier. En fait, c'est du génie, mais architectural. C'est du génie civil. C'est-à-dire que c'est comme le Rigluant, ça a colmaté la muraille. Derrière nous, un membre qui porte, je crois, c'est une armure d'Alinor, si je me trompe pas. Ou une armure de spéciale, tu sais, de notre faction, la faction des chats. Comment ça s'appelle? Oui. Mais ce Khajiit, ce tigre Khajiit, est d'un... style. Oh là 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 là. Ouais, les pics sur les épaules, ouais. Oh, mais ça rend bien, hein. C'est beau, hein. C'est beau. Donc c'est cool de voir des gens qui jouent fashion aussi, ça rend bien. Du coup, allons-y, Rigurt. 3, 2, 1, clic. Le petit pain de Rigurt est encore meilleur que prévu. Il est parfaitement marron et assez dur pour casser une dent de mammouth. Tu vois, Crane, je t'avais dit, du mortier. C'est à toi, Bob. Ah bon ? Ah pardon. C'est normal qu'il soit si dur, le pain d'épices. Tout doit être dur. Nos dents ne se renforceront jamais si nous ne les mettons pas au défi de briser des aliments résistants. Lorsque Rigurt était bébé, sa mère lui faisait téter des cailloux pour soulager ses gencives endolories. Et maintenant, sa morsure est assez forte pour briser une défense de sanglier. Ce qui ne nous tue pas et tue nos ennemis nous rend plus forts. Azal... Mais... c'est oui. Pour ça qu'il parle comme ça, c'est pas si amusant. Ah oui, mais en même temps, regarde, il a plus de barbe que de cheveux. Viril ou pas? Bon, viril. Non. Viril. Eh bien, Azaldak arrive. Je vais aller chercher les mammouths hurlants à la porte de Valboisé. Un honneur de vous rencontrer, Azaldak. Au nom de Jorun, le roi Skald, appréciez les célèbres petits pains de Vendôme. Vous avez apporté le pain avec vous depuis bord de ciel. Il est dur comme la pierre. Encore plus dur que la pierre. Rigurt a pris des libertés avec la recette d'origine. Ça n'empeste pas trop. Je vais tenter de goûter sans me briser un croc. Ah bah, il faut des molaires pour ça, mon grand. Qu'en dites-vous ? Impressionnant ? Délicieux ? Féroce ? Noir. Atroce ! Pourquoi est-il plein de fleurs ? Et pourquoi sont-elles couvertes de terre ? Avec des insectes dedans ? Comment avez-vous pu préparer une pâtisserie aussi atroce ? J'avais dit, hein. Il est blessé. Il est physiquement blessé. Du coup, on lui parle pour voir s'il y a quelque chose. Ah, bien sûr. 3, 2, 1, clic. Vous avez entendu, mon ami. Azaldak veut connaître la recette de Rigurt. Je suis sûr qu'il reviendra une fois sa bataille digestive remportée. Trouvez les mammouths hurlants à la porte de Valboisé pour qu'ils puissent jouer pour Damisa. Nous sommes sur le point d'obtenir la paix. D'accord, mais en fait, plus on bosse pour Rigurt et plus on comprend pourquoi il a le rire nordique de droite. En fait, c'est parce qu'il a pas eu le choix. Tout petit, déjà, on le faisait téter des cailloux. Le concept de la tendresse, lui, ça existe pas. La tendresse, c'est dans la neige, quand il marche dessus. Tu vois, la tendresse, c'est l'état de la neige avant qu'il en fasse un glaçon pour le jeter à l'arrière de la nuque de son petit frère pour s'amuser. Ça n'existe pas. Putain, les degrés de violence. Allez, ya. Du coup, allons chercher les mammouths hurlants. Alors, par contre, les mammouths hurlants, 100%, 100 000 dollars, c'est un groupe qui fait une musique qui déchire tout. Et les autres vont rester là. Oui, alors nous, on joue de l'esrage, c'est joli, gna gna gna, culturel, vous êtes des barbares, gna gna gna. 0%. Bah alors. 0%. Attends, par contre, c'est où? Ah putain, mais en fait, on prend pas la route. On pourrait prendre la route, bêtement. Oui. Merde. Putain, ça passe pas. Ça va pas buter les piafs. Bon, on traverse. Non, on peut pas par là. Ah oui, non, c'est pas bien par là. Oh, je vous ai perdu, hein. Je sais pas qu'est-ce que vous avez. Je sais pas si vous avez pris une meuf. Il y a des choses qui sont. Je sais pas ce qui vous a pris de me suivre, Bob, ça a été une bonne idée. Non mais voilà, quelle idée à la con aussi. Plein ouest. C'est bon, c'est bon. C'est bon, on a retrouvé la route. Faut suivre Élise ou Désastre.
c'est tout. Non, 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 c'est bon, attends, attends, on a retrouvé la route. Mauvaise foi, mauvaise foi. C'est bon, c'est bon. Tu coupes là, désastre, t'as pas besoin de couper. Hein. En fait, je voulais faire un petit freestyle sur le rocher, mais j'ai pas pu. Le mec, il fait des 3-6, ouais, c'est ça. Il fait des wheelies avec son chat, si tu veux. Oui. C'est son chat, il fait des headstands. Il fait des roues avant avec son chat. Attends, faut arriver avec classe, on va rencontrer les je sais pas quoi hurlants, les mammouths hurlants. Alors, classe, ça veut pas dire arriver avec dignité. Hein. Classe, c'est selon les nordiques. Hein. Donc, fais des gros dérapages qui tâchent. Ah non, c'est un. Attends, c'est un livre ou. Ah non, non, c'est juste. Ah si, si, t'as raison, c'est un livre. C'est juste une caisse. Pour moi, il brille. Non, c'est une caisse, non ? Trésor des voleurs. Ah non, t'as raison, pardon. Mais ouais. Mais tu verras tout à l'heure, le mausolée qu'on va visiter, il a un côté très. Ah ! C'est quoi ce jeu là ? Où t'es dans une voiture et tu fais de la musique avec. Need for Speed. Non, non, tu l'as fait en let's play, il me semble. Un jeu de la voiture. De Double Fine. Ah, Brutal Legend. Merci, putain. Oui, tout à fait. Pas du tout. Bien sûr, bien sûr. Il a un look très Brutal Legend. Salut les métalleurs. Oh, et Sigma. Oh là là. Alors attendez, attendez, attendez. C'est des PNJ. Brigitte, c'est pas Brigitte. Hein. C'est Bridget Chantegrain qui est posée en man spreading. Absolu. Je suis désolé, hein, elle est plus virile que nous tous, hein, ça déconne zéro. Avec elle son est, batteur. Elle est punk. Son batteur, Gamotte Jet Crane, qui n'a jamais aussi bien dormi de sa vie avec un coffre en acier pour oreiller un tapis. Pour lui, c'est incroyable. Les niveaux de technologie dépassent tout ce qui existe. Et Jaëla Danse du Serpent, qui après une nuit de plaisir absolu, se repose pour la prestation de ce soir. Elle vit une vie nocturne à côté de Frongière le géant, qui ne peut s'empêcher de se faire vomir, atteint de boulimie nerveuse, d'anorexie nerveuse, à cause des prises de skooma beaucoup trop proches les unes des autres entre deux spectacles. Oh la vache. Et Bacargo, regardez-le. Lui, c'est le chanteur. Il est clairement en pleine méditation, tu vois. Il a besoin de trouver son centre spirituel avant de faire la prestation, tu vois. Oh là 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 là, 100%, c'est un groupe de rock qui ne s'entend pas, mais qui sont les meilleurs amis du monde. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est beau, hein, c'est magnifique. Ils ont quand même fait des animations spécifiques. Moi, je veux l'animation de cet orque bourré, là. Putain, divin. Divin. Est-ce qu'on peut parler à Brigitte, du coup ? Ouais. On t'attend. Pardon. Mais moi je fais ça. Il y a des gens qui ont bossé sur le. Vous savez comme c'est dur de faire des animations. Il y a des gens qui se sont fait chier, si tu veux, et vous faites vos Fred. Voilà. Ouais, ils sont encore plus fait chier sur la quête principale, j'en suis sûr. Il y a un chaton qui joue avec une balle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Allons-y. 3, 2, 1, clique. Vous pourriez arrêter de taper des pieds comme ça. J'ai déjà assez mal au crâne. Par les eaux de Shor, on n'aurait jamais dû manger ces gâteaux au sucre. Ah. Ah oui, ouais. Forcément. Si, désastre. Des gâteaux au sucre. Des gâteaux de sucre de Rajin. Notre impresario Bacargo nous avait mis en garde. Mais un groupe digne de ce nom ne tient pas compte des mises en garde. Oh là là, les rebelles de la société ! C'est Rigurte qui nous envoie. Il vous attend à Rimen pour votre représentation. Le concert. Ah, Rigurte. La dernière fois que je me suis senti aussi mal, c'est quand je l'ai battu à un concours de boissons. On veut pas le laisser tomber, mais on ne tient pas debout. Alors hors de question de monter sur scène. On a une réputation. Alors, cette femme a battu Rigurte à un concours d'hydromel. Non mais elle nous met une virilité à tout le monde, si tu veux, hein. C'est incroyable, hein. Cette femme, en fait, tu vois, on a l'impression qu'elle porte des vêtements, mais en fait non, le cuir lui a poussé à même la peau. De même que les tatouages tribaux moches. Mais elle avait ça à la naissance, si tu veux. Elle s'est fait ça dans l'utérus à sa maman avant de naître. À la naissance. C'est ça. Mais avant de naître, elle a volé une aiguille comme ça, si tu veux. Elle s'est piquée. Quand elle est née, elle avait déjà les tatouages tribaux. Ah mais ils sont magnifiques.
Oui, ils sont pas mal. C'est juste ça déconner. C'est un goût, hein, mais moi je suis pas très... Non mais voilà, la première fois de sa vie qu'on l'a présenté à une fourchette, elle l'a mordu tellement fort, ça lui est passé par le nez, elle est jamais sortie. Ça déconne zéro. La violence. Et pourtant, désastre, son... intervient pas avant qu'il continue de parler. Et, voilà. et pourtant, son mascara est impeccable. J'ai dit intervient. Le professionnalisme de ses rockers. Vas-y, vas-y. Rigur, t'as besoin que vous jouiez pour Damisa, pour gagner ses faveurs. Il a besoin que quelqu'un joue, mais pas forcément les mammouths hurlants. Prenez nos instruments et chantez vous-même. La chatte ne verra jamais la différence. Il y a un luth et un tambour dans ce coffre. Nous allons prendre les instruments et les amener à Rigurte. À quel moment tu te dis que c'est une bonne idée, désastre, hein? Dans quoi tu nous as mis là? Je... Bien. Honnêtement, on aurait moyen de la surprendre. J'ai envie de dire, nous on vaudrait rien, je suis d'accord. Mais désastre, je suis sûr, il commence comme dans le Seigneur des Anneaux. Maître Pipin, chanter. Chanter. Et là le mec il chante, mais il chante super bien en fait, c'est ouf. Il nous met 1000 de zéro à la chanson. Et donc attends, Bacargo, attends, on peut parler aux autres rockers. Vas-y. Bacargo, le chat qui est au sol, l'impresario. L'impresario. 3, 2, 1, clic. T'es loin. Vous pouvez apporter les instruments à Rigurte, à Rimen. Mais rapportez-les une fois le contrat rempli, oui. Ils sont plus précieux que tout ce groupe de djik. Oui. Bah du coup non, c'est des faux dialogues, vas-y continue, désastre. Vas-y. Je continue ? Ok. Ouais. Ouais. Que leur arrive-t-il ? À part qu'ils sont idiots, malgré mes conseils, ils se sont gavés de gâteaux au sucre, principalement composés d'alcool et de sucre lune. Comme je leur ai répété en vain, ceux qui ne sont pas cagites ne devraient pas toucher au sucre lune. Le sucre lune rend malade. Quelle innocence. Le sucre lune rend les étrangers malades. Il ne nous affecte pas, mais les autres races ressentent une euphorie passagère, puis plusieurs jours d'épuisement. J'ai essayé de prévenir ces djik, mais ils sont aussi mauvais en écoute qu'en maîtrise de soi. Au revoir. T'en peux pas parler au batteur? Non. T'es en train de faire un cauchemar, les gars, et on peut pas parler. Non, on peut parler à personne d'autre. Zygma qui s'est mis bien. Derrière. Quelle hyperwall astucieuse et la grande fanfaronnade, tome 4. Avec de la chance, on trouvera le tome 1 et 3 dans la vidéo et vous pourrez avoir l'histoire complète. Voilà. Allons-y. Oui, faut me couper, ah ouais, hein, faut me dire de suivre et d'avancer. Hein. Moi, je m'extase. Hein. Oui, mais après, moi, je me fais engueuler quand je te le dis trop. Alors que là, j'ai qu'une envie, c'est de mettre des claques derrière la nuque et te dire d'avancer. Oui, mais c'est ma faute. TP, pauvre TP sur moi. Ah merde. Vous pouvez TP sur moi. Il y a un morateur juste à côté. Ouais, il est juste là. Bien vu. Il est où? Il est là-haut. Ah, parce que je t'adore, hein, mais j'ai l'impression que tu papillonnes encore plus que d'habitude. Et pourtant, je sais que c'est compliqué. Mais oui, parce qu'ils nous mettent des trucs visuels super cool. Enfin, c'est pour ça. Ils font des efforts, je veux dire, ils l'ont chiadé leur truc. Et ça fait plaisir. Ah mais je dis pas le contraire. Mais ce groupe après, Europe... on nous met la pression. Je suis un peu déçu cependant qu'il soit là. On est tous déglingués. On va pas faire la musique parce que moi honnêtement j'aurais voulu voir un concert nordique avec un orc, un elfe des bois et une viking qui peut battre l'autre. Monsieur Bide, un concours d'hydromel. La vache. Ils sont pas déglingués. Ils sont déglingués. Hein. J'avoue. Voilà. Tout le monde est là? Je me téléporte toujours. Hein, ça prend du temps. Ça y est, j'y suis. Ah, parce qu'on te voit, sur place. En fait. Si. Allons-y, ya. Yeah. On freine. Petite freine. Où est-ce que c'est? Ça tombe pas, là? Si, c'est bon. Oh, ok. Et donc... Ah non, mais non, ça c'est Lord de Dagoth Dove. Putain, j'ai cru que c'était le PNJ qu'il fallait séduire. il est partout. Il est bien déguisé en truc différent. C'est divin. J'ai pas vu ça voir à chaque fois. Oh, il y a du whisky de la corde. Bah écoute, moi je m'installe. On est bien. Non, parce que pour parler au PNJ, t'es obligé d'être debout. C'est dommage ça. 3, 2, 1, et clic. Content de vous revoir, mon ami. Rigur t'a trouvé Damisa.
Elle est moins bavarde que les femmes de Vendôme, mais elle est très élégante. Rigurte est certain qu'une balade nordique la convaincra de conclure la paix entre les Nordiques et les Khajiits. Où sont les mammouths hurlants? Oh, par contre, c'est ultra métal. Ils peuvent pas venir, mais on leur a emprunté un luth et un tambour. Les mammouths hurlants vous ont laissé toucher leurs instruments. Rigurte a essayé de les toucher après un concert à Nibelheim, et son cerveau se souvient encore des coups qu'il a pris. C'est ma blessure préférée. Pourquoi vous ont-ils donné leur... Fangirl ? Putain, c'est quand même, c'est fou, hein. C'est vrai, ils ont pas pu venir, mais c'est bon, on a piqué leur guitare. Ils ont mangé trop de sucre lune, et ils veulent qu'on joue à leur place. Rigurte peut être un mammouth hurlant ? Il peut jouer de l'instrument du légendaire luthiste Frangair, demi-géant. Mais Rigurte n'a pas bu un tonnet entier d'hydromel. Comment est-il arrivé au pays des rêves? Ah non, vraiment, je me pose la question. Je suis perdu. Et pourtant, c'est bel et bien vrai. Si vous voulez le luth, moi je prends le tambour. L'esprit de Rigurte explose comme le sommet du mont Vardenfell. Ouh, trop tôt, boire trop tôt. De l'hydromel avec les mammouths, c'était une chose. Mais jouer de leurs instruments, Rigurte n'aurait jamais espéré ça. Nous allons jouer à Damisa, la plus belle ballade de tout Elsewhere. Allez, je prends le tambour. Ça sent pas bon quand même. Oh putain. Et là... Tambour de jet crâne utilisé. Fasse bien jouer, mais... Elle est où, Damisa? On répète là où il y a... Oh bah, jouons du tambour, hein. La cinématique va s'activer. Allons-y. Vos yeux brillent comme des champignons. Elle est en haut. Luisant de mort austère. Ah oui, elle est en haut. Et vous êtes solide comme les sabots d'une chèvre. Ah, c'est un joueur. Allez là, elle arrive. Devrions nous voir pour boire de l'hydromel et manger du loup. Pourquoi chantez-vous pour mon chat, Luna? Damisa. Rigurte a une explication logique. Vous avez une grande influence auprès des Khajiits et Rigurte voulait vous impressionner avec une chanson. Mais d'abord, il fallait qu'il répète avec votre chat. Ah ben parce que c'est un peu votre mini-vous. Difficile d'imaginer plus désolant qu'un nordique perplexe avec un luth. Oh, ça va, je trouvais son explication valide pour une fois. Oui, pour une fois, j'avoue. Il avait bien et j'avais pas capté qu'il y avait un chat sur la table, Luna qu'elle s'appelle. Et qu'effectivement... Moi, j'aurais bien cru qu'il ait vraiment cru que c'était Damisa. Alors... Bah, il a vraiment cru que c'était Damisa, il a juste rattrapé le coup. Mais c'est vrai que... Et quoi? Oui, de quoi, désastre? Non, mais oui, je pense que aussi il croyait que c'était elle et puis il a rattrapé. En même temps, est-ce qu'on peut réellement lui en vouloir? Honnêtement, t'es un Khajiit, tu vois des singes qui se baladent et qui mettent des armures, qui te parlent, si tu veux, qui ont une culture, et ils peuvent pas. Et tu leur expliques que toi, t'es Khajiit, il y a toutes les formes qui existent. Est-ce que tu lui en veux de parler à un chat? C'est par acquis de conscience. Moi, je parlerai à tous les chats, en fait. C'est... Je serai poli avec tous les chats par respect, tu vois, par acquis de conscience. Enfin bon. En tout cas, Damisa qui pue le style. Mais sa coiffure, c'est pas ce qui est le plus flippant. Hein. Moi, je trouve que le truc le plus flippant, c'est qu'il ait donné une vraie explication. Quoi. Oui, par contre, ouais. Bah, il a pas bu un tonnelet d'hydromel. C'est peut-être un des rares moments où il est sobre. En ouais, fait. Peut-être, donc, ouais. Ça. 3, 2, 1, clic. Je vais faire comme si l'ambassadeur Rigurte ne l'avait pas confondu avec son chat. Oh, ça va, elle le prend mal. Enfin, je... Ça, par contre, je trouve ça déplacé qu'elle le prenne mal. Le mec fait l'effort, quoi, puis clairement. Je vais faire comme si l'ambassadeur Rigurte ne l'avait pas confondu avec son chat. Parce qu'elle... Ah, j'allais dire, elle parle de... Elle parle de la troisième personne, mais elle dit je, donc ça fait pas de sens. Ah oui, avec moi, ouais. Mm-hmm. Bon, ah, ça m'a traduit, c'est pas grave. Oh si, ça passe, je sais pas. Bon, c'est bizarre. Crane, vas-y. Non, vas-y. Non, fini, tant qu'à faire. T'en voulais plus, t'en as plus. Pardonnez-nous, Damisa. Nous voulions simplement vous impressionner. C'est votre ami qui devrait s'excuser. Ces tentatives diplomatiques ont déjà offusqué Juzdo et rendu Asaldak malade. Heureusement pour vous, je suis convaincu que les intentions de Rigurte étaient pures. Je lui ai même acheté un cadeau de paix. Ouh. Vous avez acheté un cadeau de paix pour Rigurte?
Il faut récompenser Rigurte pour sa mission comique mais bienveillante dans l'amélioration des relations entre Nordique et Khajiit. Je lui ai acheté un collier honorifique avec un grelot. Il le portera partout en Elsewhere pour que chacun sache qu'il a fait. Non mais c'est glorieux. Parce que lui, il va le prendre au premier degré, si tu veux, et elle, elle est plus fière avec son grelot, je suis sûr. Voilà, et elle, elle lui offre un collier de chat, quoi. Un collier pour les bébés chats, quoi. Oh, putain. Et oh, vous récompensez souvent les gens avec un grelot ? Non. Mais l'ambassadeur Rigurte est plus qu'unique. Je lui offre cette récompense digne et élégante. Digne et élégante, on s'assurera de lui répéter, surtout. On fera en sorte que Rigurte comprenne l'honneur qui lui est fait. Attends, on peut reparler à Damisa. Allez, Rigurte. Ah oui. Reparle à Damisa un coup, pour acquis de conscience. 3, 2, 1, clic. Je vous remercie d'avoir aidé Rigurte dans sa diplomatie. Je pense que la situation aurait été bien pire sans vous. Et maintenant, veuillez lui offrir ce grelot honorifique. Il a bien mérité. Elle est à la fois dépitée et en colère. Fantastique. Ok. Rigurte, 3, 2, 1, clic. Damisa est impatiente d'user de son influence pour amener la paix entre les Nordiques et les Khajiit, non ? Rien de tel pour résoudre un problème qu'une balade romantique traditionnelle nordique. À part l'hydromel. Crane, fini ? Oui, mais non, mais je veux pas faire tous les dialogues non plus. Non mais fini, tout va bien. Damisa vous a offert un collier et un grelot honorifique. Un collier et un grelot pour orner le cou épais de Rigurte. Rigurte le fera teinter avec fierté. Veuillez accepter ce cadeau, mon ami. Rigurte n'aurait pas pu négocier la paix entre les Nordiques et les Khajiit sans vous. Oh, la chemise de rechange de Rigurte. Oh là 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 là, Élise, le sniff pas, t'es un Khajiit, l'odeur t'affecte plus que les autres. Fais pas l'erreur, fais pas l'erreur. T'as plus de capteurs olfactifs, fais pas l'erreur. Oh non. Ça peut tuer un impérial à 5 mètres de distance, alors un Khajiit, voilà. On dira Rigurte accomplir de faire la quête. C'est ça, accomplir la quête. Très bien. Cette chanson est consacrée à l'assistant diplomatique préféré de Rigurte. Et à Damisa, okay. Et à ce chat, et à la paix entre les Nordiques et les Khajiit. Ah oui, et ben vous savez quoi, Hydromel. Je ferai de mon mieux pour renforcer la paix entre les Nordiques et les Khajiit, afin que vous puissiez rentrer à bord de ciel. C'est bon. Juste pour qu'il puisse rentrer, ce con. Diplomatiquement, c'est du génie. Tu voulais dire, Élise ? Qu'on était pile poil dans la bonne ville pour continuer la quête principale. Eh bah super. Oui, c'est parfait. On repart à Rigurte. Oh la vache. Ouais. Ah oui, on peut. Ah. Ouais. Oui. Ah, t'es en train de tuer des choses, d'accord. Non, je tuais rien, j'étais partie faire la quête principale. D'accord. Et Rigurte est du coup plus là. Mais 3, 2, 1, clic. Rigurte n'aurait pas pu accomplir cette mission diplomatique sans votre aide, mon ami. Rigurte est très reconnaissant et rapportera le luth et le tambour au mammouth hurlant pour que vous puissiez reprendre vos affaires. Quand il aura terminé de jouer avec. Putain, c'est du génie. C'est à qui ? Tu veux que je finisse, Élise ? Tu veux que je finisse, du coup ? Ouais, vas-y. Qu'allez-vous faire ensuite, Rigurte ? Rigurte ira là où les vents de la diplomatie le porteront, mon ami. Rigurte refuse de se reposer tant que toutes les races de Tamriel ne seront pas assises ensemble autour d'une chopine d'hydromel pour chanter des chansons sur... l'hydromel, sans doute. Bah, il y a des jolis objectifs. C'est beau, hein. C'est beau. Hein. La paix universelle par la bibine. Hein. Par contre, moi, ça me fait rire. La vieille chemise de Rigurte. Là, tu vois, c'est là que le dessin animé ferait une réaction différente pour chacun de nos persos. Autant moi, je le prendrais en mode oh cool, une chemise. Crane le prendrait en mode genre merci. Le petit merci. Élise le snifferait et s'évanouirait sur place.
on la retrouve en haut du mur en train de faire comme ça avec tous les poils qui se dressent. Et quand la caméra bouge sur Désastre, tu vois le bout de la manche. Merci. Sucré. Où il a mangé la chemise et personne n'a compris quoi. Pardon, bah, ça me fait rire. Je l'imagine, hein, ce serait un vrai dessin animé, hein, ce serait fantastique. Hein. Il nous a toujours pas remboursé les frais de livraison dans tout ça. Il nous a filé une chemise. Il nous a arnaqué. Oui. Il nous a filé une chemise. Pour moi, c'est vêtements. Pour toi, c'est un repas. Hein, on va pas se plaindre. Oui, c'est. Attends. Putain, il est où? Ya. Ya, chameau de ses morts. Gauche. Monte. Ya. Enfin, je sais pas si un chameau, ça réagit à ya. Parle pas le chameau. Aucune idée. Plutôt un. Comme ça, peut-être. En fait. Innocemment, j'étais persuadée, on m'avait tellement dit le chameau ça peut garder de l'eau et tout grâce à sa bosse machin. J'étais persuadée que dans la bosse il y avait une espèce de poche d'eau, mais jamais de la vie. Non, c'est de la graisse. Oui, oui. Mais oui, mais merci, mais moi c'était pas. Enfin, tu sais, quand t'apprends quelque chose quand t'es petit et que tu restes sur ça. Si t'appuies sur la bosse, ça fait sortir de l'eau. Le dromadaire, c'est un. Pareil, tu bois. C'est un pistolet à eau, c'est un nerf en fait. Enfin, tu peux parler, mais c'est quel pays que tu connaissais pas déjà ce week-end? Mais non, bah oui, un pays, mais que tu pensais qu'il s'appelait le Togogan ou un truc comme ça. Ah, non, ça, le Togo et le Togogan, c'est quand j'étais gosse. Mais depuis, j'ai appris, si tu veux. Mais ça avait fait beaucoup rire. Mais c'était un autre pays qui est à côté du Togo, mais aucune idée. Le Bénin, c'est ça. Oui, le Bénin. Le Bénin. Anciennement le Zaïre. Non. C'est la République démocratique du Congo qui était ancienne Zaïre. Manzo Zaïre. Impeccable. Retrouver Abiantar, on fait ça, hein? Oui. Ah, J'ai reçu mon armure, donc je suis en train de switch. Ah, ok, bah très bien, faut pas avancer. Merci beaucoup, plus. Déjà, c'est très gentil à Serbine. Sinon, il y a dialogue. Ah, ouais. Ouais. Enfin, en tout cas, j'arrive à voir que de là où je suis, il y a Cadwell qui fait des trucs chelous. Donc, je me dis. Oh là là, Sigma, il est là. On poursuit. Oh là là. Putain, par contre, ça en met plein la gueule, les décors. Hein. Non, oh là là. Elle est sympa. Ouais, elle est pas mal, les jeux. Est-ce que. J'aimerais bien une pioche d'ail. Hein. C'est Rouge Garde, ça, je crois, comme style. Pas suivi. Non, en fait, c'est juste qu'ils ont des globules rouges qui sont beaucoup plus gros et du coup qui peuvent contenir beaucoup plus d'eau et d'oxygène. Voilà. Et en fait, pour moi, ouais, si, je pensais qu'il y avait comme une poche d'eau qui se déremplissait en fait. Et c'est comme dans Il était une fois la vie, c'est-à-dire leurs globules rouges, ils ont des plus grosses poches à l'arrière. Ils ont des bosses et dedans il y a de l'eau. Ouais, c'est ça, et de l'oxygène. De l'oxygène et de l'eau. Donc là, on est sur. Oh là là. De la nuit, on passe à 5, et là. On est en 4 pièces, c'est ça? Non, on est aussi à 5. Moi, j'écoute Sigma qui joue du Ezrage, hein, mais. C'est quand vous êtes prêts, venez dans le palais impérial, on vous attend. C'est marrant, 1, 2, 3, pas 4, 4, 5. Sur les fauteuils. Ouais, t'as vu, c'est des faux fauteuils. Ça compte pour 2 les arcs maintenant dans les 5. Ouais, les armes à 2 mains, oui. Ah, ça a toujours été le cas ou c'est nouveau? C'est nouveau, ça doit faire un an ou plus d'un an. Ouais, mais, d'accord, c'était pas le cas avant. Oh, c'est cool. Pas très cool. Bah, merci pour cette petite upgrade. Merci beaucoup. Acerbin Talialas. Merci. Même plus d'un an, mais au début, c'était pas le cas. Brave Jean, vous avez remarqué dans le chat que ma barre de vie est Keblo. Ma barre de vie est bloquée, en fait, et ne monte plus ou ne descend plus, donc je suis obligé de jouer au visuel, si tu veux. Donc c'est pas très grave. On n'est pas à 20 000. Bah, Mokran, tu dis, est-ce que le Bénin est une république bénigne? Bah, Bob était persuadé que Bénin, c'était le mot Bénin. Non, pas du tout. Mais bien sûr, mais quand elle disait qu'elle venait du Bénin, je connaissais le mot Bénin, c'est-à-dire B-E-G-N-I-N. Bénien, si tu veux, pour dire... Ça n'existe pas, c'est voilà, B-E-N-I-N. Insignifiant, négligeable, un truc comme ça. Et je me disais, mais attends, mais il y a un pays qui s'appelle comme ça. En fait, non, ça s'écrit pas pareil. Voilà. Attends, comment t'écris Bénin? Alors, quelque chose de Bénin? Quelque chose qui est Bénin, comme une blessure bénigne ou bénigne, c'est B-E... B-E-G-N-I-N. Bégnin.
bénien. Moi, je suis avec quoi? Attends, non, attends, j'ai inversé le G quelque part. Putain. Mais le à la fin, c'est comme... Oui, non, non, je me suis trompé. Attends. Mais non. Je viens de perdre. Pareil pour la santé. C'est B-E-N-I-N, hein. C'est juste que ça fait de la vigueur maximale et pas de la régène vigueur. Il n'y a jamais de G, hein. Ah, on me dit béni avec un G, c'est en anglais. Ah, pardon. Je sais pas ce qu'il y a. Dans ce cas-là, ça s'écrit comme le pays. Bah, j'avais tort, mes excuses. J'ai fait un anglicisme. C'est le féminin qui est avec le G, tout à fait. Et oui, j'ai dépensé mes CP. Oui, une blessure bénigne. Il doit y en avoir un ou deux qui sont pas mis. Et j'ai appris ce mot assez tôt en regardant les Shadocks avec Claude Pieplu qui décrit les Shadocks comme vacants à de bénignes occupations. Là, tu vois, les deux Shadocks font de la merde. Et le contraire de bénin, c'est malin. Non. Ah, quand c'est... Si. Ah, mais quand il s'agit de blessures, tu veux dire. Oh. Oui. Oui, tu parles d'une tumeur, par exemple. Oui, tout à fait, tout à fait. Bah, c'était le sens premier de bénin. Bah, c'est voilà. Mais c'est dans le sens essayer d'activement niquer ton cul, en fait. Voilà. Tout va bien, tout va bien. Si, tout va bien. Que fais-tu, Crane? Question, tu gères, t'as le temps, hein, tout va bien. Mon nouveau stuff. Ah, tout va bien, tout va bien. Eh ben, entre dans le palais impérial, on t'attend. Ah, bah, c'est où? Allons-y. Attention, en avançant, tu vas voir la suite du test. Il y a un dialogue. Attendez, Manon. Ne fixez pas ce pied à ma cheville. C'est l'épisode le plus long qu'a connu Cadwell. Je peux peut-être... Allez, montrez un peu ce que vous savez faire. Des visions étranges, des cadavres désincarnés. J'aborde la nécromancie. Cadwell vous fait confiance, Saint-Griff. Allez lui parler. Ah, attendez. Hop, hop, hop. Je peux aller un peu celle-là, elle est sympa. Excuse-moi, je lisais les... Ah, c'est joli. Je lisais les livres sur le bord, il y a la chanson orque. Boire une gorgée d'hydromel et chanter. Tu veux la chanter? Ah ouais, c'est obligé, tu sais. C'est fantastique. C'est boire une hydromel, c'est chanter. Tom, tom, tom. Nous haïssons les orques, nous haïssons les orques. Ils empestent ces monstres infects aux relents de phoque. Pâte aux gens dans la neige, quel spectacle héroïque. Nous haïssons les orques, foi de nordique. Ces créatures imberbes, au cerveau de bourbe. Incapables de tuer un orqueur. Les fourbes. Et là tu bois. Et tu recommences. C'est littéralement ça. C'est En même temps c'est bien. C'est une chanson pour nordique. Il y a 8 strophes. C'est bien. C'est ça pourrait être appris pour un poisson rouge et un nordique si tu veux. Mais ouais, c'est une souris verte quoi. Attends, une souris verte c'est super long. Donc là la priorité pour le chat c'est de remplacer les armes en doré, c'est ça, mais l'armure c'est pas important. Puis là peut-être que si c'est vert, je suis quand même loin de des bonus smack. Tu violet et les armes en légendaire. D'accord, ok. Parce que là, j'ai eu des bijoux verts, l'armure par contre est violette, mais les armes en violet. Élise, tu me traumatises avec une souris verte, c'est super long. Hein. Faudra que je vois ce que ça demande. Bah, c'est là. Fais voir. Oh là là, Crane! Ah, mais c'est t'avais toujours pas vu? Ah, bah, j'avais pas vu, non. Est-ce que c'est une armure rouge garde? Oui. Mais oui, s'il fait une armure cuir rouge garde mi-figue, mi-raisin. Légère ou médium? Légère ou intermédiaire, ça? C'est intermédiaire. Médium, mais il doit y avoir, normalement, j'avais demandé une pièce lourde et une pièce légère pour finir de... Je pense que les gants sont lourds. Non, la ceinture légère et le plastron lourd. Le casque. D'accord, plastron lourd. Casque léger, tout le reste est en moyen. En tout cas, oh là là, ce rouge. Alors, c'est un peu criard, mais honnêtement, oh là là. C'est rouge garde. Alors, par contre, avec nous, nous avons un Khajiit qui est derrière la grande crinière, si tu veux, et à côté de la reine Camira. Nous avons un Khajiit habillé en nécromancien, qui est très stylé, si tu veux. C'est vraiment parce qu'il est très stylé, ce Khajiit, mais comparé à Désastre, il ne vaut rien du tout. Et Désastre est habillé en clodo. Oh, il y a le préfet Calot. Vous vous souvenez, le mec avec la mâchoire parfaite, on peut lui parler? Oui, si tu veux. Un peu, ouais. 3, 2, 1, clic. Alors c'est ça, un Apsu. J'avais entendu parler de ces créatures, bien sûr, mais je ne m'attendais pas à en voir un. Surtout pas parmi les dirigeants de la résistance Khajiit. Mais cette mâchoire, mais la perpendicularité. On va voir. Oh là là.
Le mec, tu lui demandes de s'allonger sur les terrains de construction pour faire des angles droits, quoi. C'est fou. Ok, du coup, on peut parler à Abnur, puis à Cadwell, je pense. Abnur d'abord, logiquement. 3, 2, 1, clic. Cadwell ne cesse de se déplacer. Il ne reste pas assez longtemps en place pour que je lance un sort de scrutation. Allez lui parler. Essayez d'attirer son attention. Très bien. Ok, ben, ce qu'on voulait. 3, 2, 1, clic. Qui est là? Parlez plus fort. Encore en train de manger. Je vais donner une bonne leçon à ces vauriens. Eh oui, ça va faire mal. Cadwell, c'est moi. Que se passe-t-il? Ah, parfait! Un noble écuyer me sera utile pour la bataille, pour chevaucher en tête contre ma tête. Bref, Zumok Fum a rassemblé les membres épars du traître. Je ne peux pas laisser le nécromancien me reconstituer. Mais Cadwell, que voyez-vous? Où est Zumok Fum? Je ne sais pas trop, c'est une caverne sombre, menaçante. Exactement le genre d'endroit où les nécromanciens aiment à s'installer. Oh, mais enfin, arrêtez ça! Pardonnez-moi, noble écuyer, mais je dois aller me donner un coup de botte dans le train. Et Cadwell, attendez! Je pars éliminer ces fiefés canailles. Tarn, Mia. Pouvez-vous déterminer où Cadwell se trouve? Elle est où? Elle est où, Camira? Ah oui, d'accord. Elle est juste là. Elle est derrière, elle est cachée. On peut lui parler à Camira pour le coup. Et c'est vrai que Garechri ouais. aussi, j'aimerais bien. Avec tous les gens qu'il y a autour, vu qu'elle a pas un skin spécialement flamboyant. Oui, j'avoue. En même temps, elle a tout compris, c'est une voleuse, tu me diras de base. Mais c'est vrai qu'il y a Zamarak aussi, le moine qui détruit des murs et qui a choisi que la voie de la paix c'était bien. Il y a tout le monde en fait là. Ouais, j'avoue. Camira d'abord. Camira. Allez. 3, 2, 1, clic. Zumok Fum tente de ressusciter le traître, et Cadwell file l'affronter seul. Cet absous a perdu toute raison. J'ai dû hurler. Attends, c'est moi où il y a une, c'est moi où il y a une room de bâtard sur son record. C'est pas grave. Non. C'est pas grave, j'avais l'impression. Ah oui. Attends. Zamarak, à côté. Oui. C'est vrai qu'on dirait moi quand je parle. Zamarak. Le gars en bleu qui est juste là. Ouais. Dans son pyjama. 3, 2, 1, clic. Cadwell n'aurait pas dû partir sans nous. Il n'est pas de taille face à un nécromancien comme Zumok Fum. Au revoir. Oh là là, Vegeta. Bon. Moi je comprends toujours pas pourquoi à un moment on nous a dit qu'on avait tué Zumok Fum. Hein. Ouais, moi non plus. On a peut-être tapé sur un de ces fantômes, si tu veux. Et de toute façon, c'est un nécromancien, donc ça se trouve, il est revenu. Qu'est-ce qu'il s'en fout? Et on ne parle pas à Garechri? C'est quand même le roi, enfin c'est quand même le... Bon, est-ce que les gens peuvent arrêter le bordel? Je vois pas où sont les gens. C'est la crinière. Ah. Il est là. Ah oui, d'accord. 3, 2, 1, et... Cadwell a peut-être donné à Zumok Fum exactement ce qu'il lui manquait. Parlez à Abnur Tarn et tâchez de comprendre comment redresser la situation, marcheur. Bon, eh ben très bien. 3, 2, 1, clic. De toutes les idées farfelues et absurdes que Cadwell a pu avoir, c'est sans doute la pire. Il se prend pour un héros, mais il donne à Zumok Fum exactement ce dont il a besoin. Bob. Ah. Comment ça? Pourquoi Zumok Fum a-t-il besoin de Cadwell? Je ne suis pas un expert en nécromancie, mais de toute évidence, notre Cadwell est la dernière pièce dont Zumok Fum a besoin pour ranimer le traître. Il a toutes les parties du corps démembré de Cadwell. Et maintenant, Cadwell lui a remis le dernier élément, son essence. L'essence de Cadwell? Son âme, vous voulez dire? Un absou a-t-il une âme? Je ne sais pas ce que la philosophie de Havreglace prévoit en la matière, mais... il doit rester un fragment du Cadwell des origines dans celui que nous connaissons. Il serait logique que le nécromancien en ait besoin. On avait déjà expliqué, l'âme, c'est en plusieurs parties, blablabla, l'animus, tout ça. Comment pouvons-nous aider Cadwell? Nous ne savons même pas où il est. J'ai réussi à observer le portail de Cadwell avant qu'il ne se referme. Il est relié à une antique crypte de la Balafre, près de Sutur. Allez-y immédiatement, nous vous rejoindrons après quelques préparatifs. Nous trouverons le repère de Zumok Fum dans la Balafre. Nous vous y attendrons.
Cadwell, il joue à un meilleur jeu, il est en mode Ready Player One, j'avoue. Il a la VR, ouais. C'est ça. Bon, bah allons-y. C'est Tron. C'est ça, c'est Tron. Du coup, on TP à Suture. Ouais. Parce que c'est Shy. J'y vais first parce que je vais toujours mettre. De l'argent, ok, vas-y. Parce que il n'y a pas de temps de chargement. Pas truc pour TP. Bob, par exemple, je pense qu'il va plus vite en allant au. Ouais, mais nous, peut-être pas. Hein? À l'oratoire? Lui, il va plus vite, mais nous, si on TP sur lui, on met peut-être plus de temps. Non, c'est juste que moi, j'ai beaucoup. Qu'il apparaisse. C'est mon temps de chargement qui met du temps, si tu veux. Donc, vaut mieux que j'y aille alors, d'abord pour la synchronicité. Allez-y, vous pouvez me rejoindre. J'y suis déjà, oui. Tu vois, genre, je suis parti après. Bah oui, mais c'est pas grave. En même temps, j'ai pas installé le jeu sur le SSD. Hein. Il y a un SSD sur ton PC ? Bah oui, mais c'est pour Windows. C'est pour le système opératoire, si tu veux, ou les fichiers de stream ou les fichiers temporaires. Mais là, le reste va sur le... NVMe pour le système, SSD pour les jeux. Il faudra pour ton prochain PC. Moi je préfère le SSD pour le système et le disque dur. Non, mais c'est du SSD le... aussi, mais c'est une ça, c'est plus rapide. Mais c'est vrai que double SSD ça pourrait être pas mal. Avoir trois disques durs en fait, un SSD pour le système, un SSD pour les jeux et un disque dur physique pour tout ce qui en est. C'est le principe, tu fais donc du NVMe pour le système, tu fais du SSD plus classique pour les jeux et tu te mets un disque dur de genre 3 Tera bien sûr pour le stockage à côté classique 3 Tera, moi j'ai 1 Tera et demi, ça date de 5 ans j'ai 3 Tera aussi et ça... À mon époque les jeux faisaient, vous avez pris votre temps, parlons, 60 mégas. Et si on avait un disque dur de 100 mégas, c'était la folie du slip. Northarn. Putain, Lord de Daggord Moss. Attends, à côté, regarde ce tout. Là. Oulala. Pardon, il nous met du spectacle. Excuse-moi, je t'en prie. Vas-y, pardon, excuse-moi. Oui. Élise. Pardon. 3, 2, 1, clic. C'était le sushi. Les voyages ne m'avaient jamais autant fatigué. Enfin. Maintenant que vous êtes là, nous pouvons commencer notre enquête dans la crypte. Désastre. Je sais plus. Okay. Où sont Zamarak et le préfet Kalo? Je croyais qu'ils devaient nous retrouver ici. L'adepte et le préfet se sont portés volontaires pour partir en éclaireur. Ils ne sont pas revenus. Donc, c'est à nous de jouer. Nous devons empêcher Zumokfum de ranimer Cadwell, le traître. Et vous pensez qu'ils ont un problème? Quelque chose les empêche de revenir. J'imagine que les nécromanciens ou les morts-vivants les ont mis hors de combat. Mais nous devrons réussir là où ils se sont laissés arrêter. Autrement, Zumokfum et les dragons feront un pas de plus vers l'accomplissement de leur plan. Très bien. Non, attends. Ah, j'aurais dit. Ah, super, j'aurais dit le deuxième. Vous avez cliqué ou pas? Oui. Non. Dommage. On va très bien en route. Allez, on clique. En route. Désolé pour une fois que j'ai été. C'est pas grave, mais on peut pas abandonner Zamarak et Carlo. Alors, Carlo, avec sa mâchoire parfaite, c'est une grande perte pour la génétique. Mais on s'en fout, c'est Zamarak la vraie perte pour la génétique. Parce que lui, il a la génétique de je mets un coup de poing dans un mur, le mur explose. Mmh. Ouais, mais il s'en sort, lui, vu sa puissance. Oui, il va y arriver. Nous, on sert à rien. Ouais, bon, tu marques un point. On va le jeter. Il éternue et le monde tremble. Mais faut la garder, sa génétique, parce que même s'il est pacifiste, tu sais, les générations suivantes, ça pourrait servir, en fait. Voilà, très bien. Impeccable. Il est joli, l'arc que tu m'as fait, hein, avec le carquois et tout. Oh, il est tout Lui... Que vous êtes-il arrivé ? Il lui a arraché son âme, je crois. Vu ce qui se passe en bas. Attendez, il y a un mille pattes. Non, mais vraiment ? Mais il est trop bien fait ! Bon, pardon. Mais des mille pattes, t'en vois plus. Regarde sur la table. Tu peux zoomer, le mater, regarde ça. C'est ouf. Tu peux taper dessus. Il y a un mec qui s'est fait chier à animer ça, quoi.
Mais en fait, c'est un mob. Enfin, c'est un... Ah merde! Mais. Bon. Penny! Allez. Fine, il a plus les yeux bleus. Tarn, vieux frère! Cadouette. Ils me l'ont arraché. Tu vois ses yeux? Ouais, fait, il rayonne plus là. Ah bah c'est son essence. Les yeux bleus, Isabelle! Mais il est de dos. Oui, mais. Isabelle! Isabelle, t'es con. Oh, c'est le choc qu'on voit dans le trailer! 3, 2, 1, clic. Je crois que j'ai tout gâché, mon ami. Crane. Cadwell, racontez-nous ce qui s'est passé. J'ai ouvert un portail. Je voulais passer ce fielon de Zumogfum par le fer. Mais il a eu le dessus. Le nécromancien a volé mon essence. Et il l'a lancé vers quelques sites rituels de son ordre. Et maintenant, je suis affaibli, tandis que mon corps d'antan se régénère. Et Zamarak et le préfet Kalo, vous les avez vus ? Le gros chat et l'impérial. Ils sont arrivés peu de temps après moi, mais guère en meilleur état. Je ne sais pas ce que Zumogfum leur a fait. Je suis là, j'essaie de retrouver assez de force pour retenter ma chance. Nous pourrons peut-être recouvrir votre énergie dérobée, mais de toute façon, nous devons arrêter Zumogfum. Me recharger ? Oh, merveilleuse idée. Et je suis d'accord. Nous ne pouvons pas laisser le traître rejoindre les dragons. Oh, ça me rappelle une époque. Oh, j'y arrive plus à penser. Je suis trop faible. Je resterai à vos côtés le plus longtemps possible, mais une sieste me ferait du bien. On dirait toi après une convention, ma bébé, je resterai à côté. Yes. Je retarderai autant que possible le rituel de Zumogfum. Emmenez Cadwell, tâchez de récupérer son énergie. La même voix, c'est parce qu'il est décédé, celui qui faisait la voix de Cadwell. Ce bon vieil appeleur. Ouais. Mais ça va finalement, au début ça m'a fait bizarre, mais je m'y suis plutôt habitué. J'ai pas fait gaffe. Oui, parce que en fait, tu peux dire que ça va avec le changement du personnage, de sa mentalité, tout ça. Enfin, il a changé de voix. Vous avez abandonné à la mort, oui. Kalo. Pas fait gaffe. Notre sang sera sur vos mains. Vite, faites un patronus. Ah. Expecto gifle. Je ne vous laisserai pas perturber le rituel. Expecto giflanus. Ce nuage lumineux, c'est lui qui maintient le rituel. Dissipe. Que c'est rafraîchissant. Trouvons les autres parties de mon corps et remettons tout à sa place. Ok. Est-ce qu'ils comptent comme des sous-boss, ces trucs ? Non, c'est des PNJ. Ah, ils sont nommés quand même. On fera un pierre-papier-ciseau pour savoir qui solote Zumogfum. Vous n'avez jamais été assez fort, voilà. Zamarak. C'est votre faiblesse qui m'a tué. Prier les lunes ne vous sauvera pas, chat. Zbré ! Attends-nous. Un œuf. Il nous servira pour le rituel. Tu lui as craché du feu au visage ? Oui. Encore. Tu peux faire ça. C'est du feu empoisonné. Tu veux essayer ? Mince, j'ai parlé à Zamarak sans le vouloir. Ah, c'est pas grave, on peut lui parler. Parlons à Zamarak. Il est où ? Allez. Voilà. Juste là. 3, 2, 1, clic. Je déçois toujours ce qui compte le plus sur cette moi. Cette voix ! Oh là là. Vas-y, Crane, t'étais dedans. Reprenez-vous, Zamarak. Nous devons retrouver Zumogfum et interrompre son rituel. Attention, marcheur. Vous ignorez le fardeau que je porte. La culpabilité que je ressens chaque fois que je pense à ceux envers qui j'ai failli. Vous allez laisser Zumogfum gagner ? Vous allez encore faillir ? Comment osez-vous ? Encore ? Non. Non. Vous avez raison de me brusquer. J'ai laissé les nécromanciens m'entraver avec ma propre culpabilité. Plus jamais. L'odeur de la mort et de la putréfaction semble émaner de cette porte. Allez-y, arrêtez Zumogfum. Je vous rattraperai. Oui, je le pensais pas vraiment, j'ai juste dit ça pour te brusquer. Et c'est ça, t'as des couilles quand même, parce qu'il pète il des murs. Il a commencé à faire quoi ?
Moi, j'ai bougé sa main, j'étais en panique là. Je suis le nordique, je suis le nordique de 2 mètres et j'ai fait un pas en arrière. Il a fait mettre une claque. Là. Alors c'est l'heure du pierre feuille ciseau. Il met pas des claques, il met des gifles, c'est pas pareil. Alors. J'aime bien le doublage, j'aime bien la voix du doubleur. Ouais, c'est Végéta, hein. c'est Eric moi le non grand. Plus, j'ai dit. C'est divin. Ouais, moi non plus. Alors, vous êtes prêts? Décidé d'être champ, moi non plus. Attends, comment ça? C'est slash say. Voilà, ok. En vocal, genre lol, impeccable. Vous êtes prêts? Ah, ouais, je suis pas sûr. Bon. Ouais. C'est bon, faites vos tests. C'est bon. Impeccable. Pierre, papier, ciseaux. Oh là là, j'arrive ah, pas putain. À l'écrire. Oh là 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 là, double feuille de la part de Crane et d'Elise, donc c'est entre vous deux. Ah là là là. Vous êtes prêts? Et attention, il faut que je réfléchisse. Il faut l'écrire complet, hein. Allez-y. Vous avez le droit à une réplique chacun pour le mind game. C'est-à-dire, réplique de quoi? Bah, t'as le droit d'annoncer d'avance ce que tu vas mettre si tu veux. Vas-y, fais le décompte. T'as le droit de mentir. Hein. Mais attention, que pierre, papier et ciseaux. Attention. Bon, c'est bon, t'as fini? Pierre, papier, ciseaux. Non, attends, j'ai mal écrit, j'ai écrit ciseaux. Mais bon, ça compte, ça compte, ça compte. J'ai écrit ciseaux. Non, mais ça compte. Ciseaux et ciseaux, ça compte. Égalité, vous êtes prêts? Sur un bateau. Pierre, papier, ciseaux. J'arrive pas à écrire. Pierre et feuille. Ah, ah c'est Crane qui gagne avec une feuille. Mais non. Ah non, si c'est une pierre, j'ai cru que c'était papier. Ah non, c'est non, Pierre. C'est Pierre, ça. C'est Pierre. Ah, c'était une bonne technique, ça fait à la fois papier et pierre, ça. Hein. C'est... Il manque 2 lettres dans chaque. Ah non, c'est Pierre. Oui, ça... oui, mais c'est papier. On, j'ai prend, dit papier. On prend que les premières, mais c'est Fly contre Pierre. Est-ce que j'ai encore de la bouffe? Est-ce que ouais, prépare-toi. Oui. Est-ce que t'as ta forme de loup-garou qui est prête? Au pire, je pense que oui, oui. Parce que ça t'es pimpant avec ton armure, mais il va falloir mettre des gifles. Je peux t'en donner si jamais. Non, c'est bon, j'ai tout. Ah non, non, buff pas. Ok, bah allons-y. C'est quand vous voulez. Merci beaucoup, Ephir. Laissons les dialogues se faire, j'imagine il y en aura. Ah merde, d'accord. C'est juste la suite, fouillons les pots. Vous êtes un fou sénile, demi-frère. Comment avez-vous pu être aussi imprudent? Ces dragons, c'est votre faute. À moi, je peux pas. Votre passé vous détruira, Abner Tarn. Ça parle. Moi, c'est juste des mobs, on les rush. À moi, je peux en avoir. Je veux Grudu. Oui, vas-y. Il vole. Le fantôme qui a donné ça. C'est le fantôme des Noëls passés. La Max. Dissipez ce maudit nuage. Oh, c'est parfait. Vous saviez que j'avais été haut chancelier. Ouais. Ah non, attendez, ça désolé, c'est d'avoir été un peu arche, la façon de la chose. Ok, vendu. 3, 2, 1... Zumok Fum est plus puissant que je ne l'imaginais. À moins que mes pouvoirs ne se soient dégradés davantage que je ne le pensais. D'une manière ou d'une autre, vous arrivez juste à temps. Si j'avais dû écouter ma demi-sœur bavasser longtemps comme ça, j'aurais fini par me ronger le bras. Bah, quitte à faire, range-toi. Autre chose, parce que je vois pas encore ronger le bras, ça sert à quelque chose. Vas-y, Elise. Pardon. Quand vous êtes-vous retrouvé mêlé à ce rituel? Croyez-moi, ce n'était pas mon intention lorsque j'ai ouvert le portail. Foum a utilisé une sorte de charme siphonnant. Il a réorienté mon sort et m'a piégé dans un nuage d'énergie. Ils utilisent l'essence de Cadwell pour alimenter leur rituel. C'est très ingénieux, vraiment. C'était vraiment le fantôme d'Oraxetarn? Aucune idée. C'était peut-être un écho puisé dans mes souvenirs les plus moroses. Peut-être pas. Pendant que je recouvre mes forces, traverser la porte sud, je sens une culmination de magie. Zumok Fum doit être sur le point d'achever son rituel. Culmination, c'est quand même assez moche comme mot. Ah non, ça me paraît... Et j'ai le droit de dire que je le trouve moche. Ouais, c'est comme le mot... Moche ce soir, de toute façon. Ouais, d'ailleurs, t'es moche. Alors, merci à Lerutan59 qui a offert 25 subs sur la chaîne. Il a décidé de claquer son... Il a décidé de claquer son RSA. De tout lancer. Moi, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir à Twitch aussi.
Les vrais OPSP. Allons-y. Oh, oh, Nalado. C'est Nalaune. Nalado. Elle le répète. Doudoudou, 5 griffes. J'ai peu de temps. 3, 2, 1. 5 griffes. J'ai peu de temps. Je n'ai rien à faire ici. Je devrais rôder sur les sables derrière les étoiles et me préparer au prochain bond plutôt que de traîner dans ce tombeau fétide. Oui, j'ai fait 3, 2, 1, clic. Mais sinon, non, mais c'est bon, j'y suis. J'avais rattrapé, j'ai cliqué au bon moment. Avec une seconde de décalage, mais c'est pas la fin du... Que faites-vous ici, Nalado ? Zumogfum m'a ramené. Il compte m'utiliser dans un rituel infâme. Mais mort ou pas, je reste un soldat. Son adepte n'avait aucune chance. Lol. J'ai senti quelque chose et décidé d'attendre encore un peu. Un nécromancien invoque le fantôme d'un grand guerrier, ça tourne mal. Même en étant intangible, elle met des coups de genoux tellement forts que l'autre, sa colonne vertébrale s'est pétée en deux. Ça déconne zéro. Ouais, c'est le Slash Spectate qui s'est transformé en bully. Non mais c'est, voilà, c'est... Slash Spectate qui s'est transformé en Slash Gifle, si tu veux. L'autre, il est mort, il était en robe. À toi, Bob. Ah, pardon. Ce rituel utilisait l'énergie de Cadwell. Où est-elle passée ? Ce nuage d'énergie me rappelait justement cet étrange chevalier coiffé d'un ustensile. Je pense avoir absorbé son énergie en tuant le nécromancien. Cela a perturbé une partie du rituel. Pourriez-vous rendre cette énergie à Cadwell, Nalado ? La lui rendre, sans doute. Mais cela briserait sûrement ma forme-esprit. Peu importe. Je n'ai plus ma place sur ce plan. Dites à la reine Camira et à Gareshri que je les salue. Préparez-vous, étrange chevalier. Ceci vous appartient. Puissiez-vous être réchauffé par les sables derrière les étoiles, Nalado ? Ça fait un peu me mettre Windu. Elle a dû. C'est doux. Elle a dû. Enfin. Ouais, y'a un Khajiit qui... Attends, y'a un squelette Khajiit en position de prière, là. C'est stylé. Encore une fois, le travail des développeurs. Y'en a deux, y'en a trois. Ouais, trop bien. Y'en a quatre. Et, c'est est-ce qu'on parlerait pas à Cadwell avant de passer la porte ? Si, bonne idée. Tu veux. Attends, y'a un mec mort, là. Ah, y'a des mecs morts. Ah, mais c'est les nécromanciens. Ah, ils sont fait mutiler, hein. Molesté. Parlons à Cadwell, ce qu'on voulait. 3, 2, 1, clic. Le capitaine des chats s'est sacrifié pour moi. Il était déjà mort. Je sais pas quoi dire. Nous devons nous dépêcher, mon ami. Zumogfum a presque fini et je commence à en avoir assez de voir la vie par deux paires d'yeux. Enfin, si tant est qu'on peut parler de vie avec lui, hein. Encore une fois, c'est de la sémantique, mais j'y tiens. L'un comme l'autre. Oui, il y a plein de coffres. J'ai pas vu. Il y a des coffres de partout. Oh là là. Des vrais coffres. Oui. Pas terrible ce qu'il y a dedans pour le moment. Il y a que de la merde, hein, mais c'est... Oh, un scolopendre. Encore un. Non, rien de bien. Eh ben écoute, c'est toujours toi qui as gagné le pierre-papier-ciseau. Entre deux Zumogfum. Vas-y. Et oublie pas les insultes d'usage, hein. Mais je suis l'âme noire, je fais pas de bruit, je veux pas l'insulter. Non mais pas... Plus le traître devient fort, plus vous êtes faible. Il te fait coucou de loin, là. Bon. Mais ça va aller, oui. De quoi, hein. Rien. Elle faisait de l'esrage. Ok. Vous êtes prêts à sortir les pop-pom girls ? Alors attendez, posons-nous. Allez. Slash site 3 et on regarde ça de loin si tu veux. Slash clap. Je sais jamais. Allez. Où sont les bons, ouais. Les bons boutons sur mon machin. On y va ? Tu y vas. Oh le beau. Oula 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 oula. Il attaque les stands. Ah c'est bon. Attends, j'ai envie de changer d'arme un peu. Vas-y, Crane! Oh là là, tu lui mets la max! Esquive! Je peux taper ça? Des as qui ne bougent pas!
des as qui restent hors de portée. Oh, il y a un dragon. Oh, classe. Bah, il a... Oh, putain. Il a toi, il a toi. Ah, mais il est déjà parti, le dragon. Ah, ouais, tu mettais une... Ah, merde. Il y a des... Elise, te défends pas. Bah, attends. Faut que je retrouve le bouton. J'ai deux squelettes sur ma gueule. Oui, bah, allez, te défends pas. Tu te soignes. Une DPS, tu crois que j'ai du soin? C'est le taf à Crane! Crane, au secours! Au secours, Crane! Je me fais attaquer! Oh là là! Si tu veux. Vas-y, sûr que non! C'est bon? Vas-y, vas-y! Démonte-les tous! Putain, y'a des chiens! Tu peux les manger ou c'est baiser? Ça compte? Non, ça va pour l'instant. C'est un peu le bordel quand même. C'est beau, hein? C'est épique. Tu les tiens, t'es un loup. Oh, je sais pas, mais tu les as tous fait fondre. T'es revenu là. T'as fait un truc bien. Oh oui. Ah vas-y. Vas-y, c'est du 1v1. Tu le tiens, c'est Zumok Foum. Putain, il met la max, achève-le. Mange. Ouais. Que je m'efface. Oh, quel beau spectacle. Bien sûr, je comptais m'occuper de l'orque moi-même, une fois ma réanimation terminée. Ah. Maintenant que je suis entier, j'ai une destinée à accomplir. Alors, à tes souhaits. Bon, c'est un peu le bordel. Attends, y a notre Cadwell à nous, qui est vide, et le Don Quichotte Cadwell qui a été ressuscité, c'est la merde. Attendez, n'oubliez pas de fouiller Zumok Foum. De fumer sous ma foum, ça c'est Craig, une série sur la charge. Mais tout d'abord, attends, il est où? Il est où? Mais il est où de la vie chez moi. Il est où le loulou? Il est là. Ah bah c'est bon, il a rechangé. Mais c'est qui le meilleur? C'est qui le meilleur? Je me suis caché pour me changer pour pas c'est que ça. Vous voyez ma transformation. Et ben honnêtement, on te gratouille quand même derrière l'afro, hein. Ça déconne zéro. Ah, les urnes, il y a des trucs dedans et j'ai eu un. Jamais. Bah vas-y, fouillasse un peu. Faisons-nous plaisir, t'as raison. Après tout, c'est toujours moyen de gagner des tables orques ou... Quelles urnes? C'est ça. Les urnes qui traînent à ce... Les mecs laissent traîner leur peau, je sais pas pourquoi, mais... c'est oui, il y a qu'un seul pot qui m'a filé un truc intéressant. Voilà, bas derrière. Okay. Crochet de la dame. Il y a une bougie qui éclaire pas comme les autres, ça me rend perplexe, j'ai envie de les éteindre. Ça. Là, il y a une celle-là, là... Elles sont derrière aussi. Oui, mais celle-là, à la limite, tu peux les non-obster, mais celle-là. Parce que c'est juste qu'elles sont allumées, les autres sont pas allumées. Ouais, les autres sont pas allumées, ouais. C'est juste ça, c'est la différence, c'est allumé, pas allumé. Et puis le combat était tellement épique, il y a eu tellement des ondes de choc par les coups de patte de Crane, si tu veux, ça a éteint les bougies, c'est du kung-fu. Mais là, j'avoue, c'était du. C'était, tu sais, les trucs chinois, pas le Wujin, mais je sais pas comment ça s'appelle. Tu sais, quand les mecs ils se battent et puis ça saute partout et ça fait du kung-fu, mais ça court sur les murs, ça veut rien dire. Du Wulin, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'était fou. En tout cas, c'était beau à voir, hein. C'était spectaculaire. Du coup, Cadwell, ce qu'on voulait. 3, 2, 1, clic. J'ai toujours entendu dire que l'introspection pouvait être difficile, mais se rencontrer soi-même, personne n'aime découvrir qu'on ne sert à rien. Essayez de ne pas m'en vouloir. Lui et moi, on est les deux faces d'une vieille pièce usée. À qui, Bob? Désastre. Désastre. Cadwell, qu'est-ce qui ne va pas? Je pense que le monde ne supporterait pas plusieurs Cadwell en même temps. Mon essence, elle s'écoule. Étrange. La fin approche et la lucidité revient... Vous tenterez de l'arrêter pour moi, n'est-ce pas? L'arrêter? Que prépare le traître? Il veut terminer ce qu'il a... ce que j'ai commencé il y a des siècles. Je me rappelle comment nous avons arrêté les dragons. Kunzari et moi, nous avons... berné Kalgrontid, retourné son ambition contre lui. Nous l'avons convaincu de placer une portion de son pouvoir... dans le cœur de Jod. Ah! Comment cela a-t-il pu arrêter les dragons? Kalgrontid a ordonné à ses frères d'en faire autant. Affaiblis, nous avons pu les piéger dans les salles du Colosse. Puis, le traître a
puis j'ai tué Kunzari et gagné mon nom. Je comptais voler ce pouvoir, mais les adeptes d'Ankina... Cadwell, restez avec moi. Je suis là, Kamira. On dirait Ankina, si jolie. Ankina possédait la clé d'un lieu particulier. C'est là que j'ai appris à utiliser les portails. Heureusement, on m'a coupé la tête et démembré avant d'accéder au cœur de Jaune. Cadwell, vous m'entendez? Il va encore falloir me... Non, le découper. Dites à Kamira qu'elle a la clé et occupez-vous de mon petit honneur. C'est un bon destrier. Oh. Vous direz pas Cadwell, hein? Ah. Eh ben, fallait qu'il se fasse... Il fallait qu'il se fasse Infinity War, hein. Fallait bien que ça arrive. Hein. Ça fait quoi que le dragon ait donné un peu de son pouvoir à Jod ça... Alors non. T'es sûr qu'on a le temps pour ça? Attends, est-ce qu'on peut juste traverser le portail parce qu'il fait du pas mal de bruit, donc on traverse le portail et t'explique après. Ouais, je garderai ça court. Comme un écran de chargement. Et le mot que je cherchais tout à l'heure, le mot chinois, c'est Wuxia. W-U-X-I-A. C'est les arts martiaux romancés. C'est Wuxia, du coup. Ouais, voilà, du coup, ouais. Donc, c'est des mecs qui se regardent, font putain, ton chichi ma ton ping 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 ton chiné dans son tour. Et c'est incroyable parce qu'il se passe des milliards de choses à l'écran. Et j'exagère même pas. Les gens sont là, mais c'est raciste ce que tu fais. Non, je te jure, c'est vraiment ça, mais c'est 100%. Regardez du Wuxia. C'est incroyable. Et puis, il y a des mouvements. En plus, ils font ça avec. Il y a un truc qui s'appelle Thunderbolt, quelque chose. Et ils font ça avec des marionnettes. Non, je vous jure, j'ai l'impression d'être fou. Thunderbolt Fantasy, c'est excellent. Je vous jure, honnêtement, matez-en sur YouTube, c'est incroyable. Vous allez vivre une expérience, vous n'allez pas comprendre. Bon, c'est bon, vas-y, tu peux leur expliquer. Ah. Ok, j'avais déjà expliqué que l'âme pouvait se séparer en plusieurs parties. Oui. L'animus, le corps et l'essence, basiquement. Hein, c'est le principe. Le premier avec les dragons, c'est que tous les dragons sont, de base, un fragment d'Akatosh. Pas que Alduin. Alduin, c'est un gros fragment d'Akatosh, si tu veux. Mais c'est même le gigafragment d'Akatosh. Mais c'est comme de dire tous les démons sont la descendance de Satan. Tu vois, dans l'idée, en fait. C'est-à-dire que c'est le principe. C'est-à-dire que si tu veux vraiment exterminer le mal, il faut buter et Satan et tous les démons. Sinon, ça marche pas. Le truc, c'est que mettre l'âme d'un dragon dans une pierre... Déjà, rien que les os de dragon ont une énergie résiduelle rémanente tellement puissante que rien que d'en faire une armure, ça en fait la meilleure armure possible ou la meilleure arme possible. Alors que, contre toute logique, un os, c'est moins efficace que de l'acier, si tu veux. Ça fait pas de sens. Voilà. Mais comme c'est du truc draconique et que c'est extrêmement puissant parce que ça possède de l'énergie de la création, c'est super pété du cul. Maintenant, mets ça dans une pièce et fais-en un phylactère. Tu te souviens ce que c'est un phylactère? Un Horcrux. Oui, oui. Voilà, un Horcrux. Sauf que là, c'est un Horcrux, mais t'es encore en vie. C'est un Horcrux qu'en fait, que tu fais sans mourir, ou plutôt, et pour être très exact, pas sans mourir, mais comme t'es un dragon, tu peux techniquement pas mourir. Tu te laisses légèrement, quoi. Exactement, voilà, tu prends une partie. Et après, tu peux overclocker cette partie. Ce qui est fumé. Comment dire? Je sais pas, je saurais pas l'expliquer. Bref, c'est la panique. C'est un artefact qui est suffisamment... Tu te souviens du cœur dans lequel Vivek puisait sa magie divine, le cœur de l'Orcane. Voilà. Maintenant, imagine une version plus petite de ça. Moins puissante, bien sûr. Des dizaines de fois moins puissante. Mais le cœur de l'Orcane, c'est le cœur de la création, si tu veux. Voilà. C'est le cœur de Dieu avec un D majuscule. Alors que là... À l'échelle humaine, c'est une mini bombe atomique, si tu veux. À l'échelle humaine, ce serait le cœur de Hercule, le héros, avec un grand H. Mais non, je veux dire en termes de puissance destructrice. Ah oui, bah sans doute, sans aucun doute. C'est comme l'anneau unique. Ouais, l'anneau unique, c'est pas mal, c'est une bonne comparaison. Mais non, l'anneau unique, ça marche pas parce que Sauron, il est vraiment god tier. Sauron, il est au-dessus des dragons, si tu veux, en termes de power level. Mais là, en termes de power level, moi je suis content avec ma comparaison. Le cœur d'Hercule, voilà. Si t'avais le cœur d'Hercule et que c'était un artefact magique. Donc vous pouvez la donner à Jod un petit bout. Bah non, c'est du coup. Non, c'est du coup le dragon, Caldocontide, a mis une partie de son essence dans la pierre de Jod, dans le cœur de Jod. Donc un espèce de gros caillou qui est devenu un Chaos Emerald, comme dans Sonic, tu sais.
Voilà, donc tu peux le brancher à une batterie et ça fait tourner ta voiture, pas de problème. Hein. Ça fait tourner Las Vegas, ça fait tourner la partie est des États-Unis, aucun souci. Voilà. Alors après, ça vaut pas le cœur de l'Orcane. L'item sur lequel Vivek allait prendre sa pile une fois par an, si tu veux. Ou une fois tous les 100 ans, je sais plus, un truc comme ça. Mais quand même, c'est pas rien. C'est pas rien. Et est-ce que tu as vu Spider-Man... Et puis c'est Locke. Est-ce que tu as vu Spider-Man 2 ou 3, mais les anciens avec Sam Raimi? Et tu sais, dedans, il y a le docteur Octopus qui fait un micro-soleil dans New York. Non? Si? Oui. Voilà. Et ben, c'est peut-être pas le soleil, mais c'est un micro-soleil. Voilà. C'est pas... Mais c'est pas... C'est dangereux. Je pense que c'est pour ça qu'il parlait d'une histoire d'éclipse, etc. Au début, ça doit être Locke par une sorte d'éclipse, entre guillemets, qui arrive une fois tous les X années. Mais oui, est-ce qu'il les rend capable de le récupérer? Sinon, ils auraient récupéré ça il y a longtemps. Puisque c'est la pierre de Jod, donc ça doit avoir un crapaud avec les lunes, donc tu marques un point. Bah oui. Eh ben écoute, la suite. Ouais. C'est là-bas. Parlons à la caméra. Mais excuse, hein, pauvre Crane qui essayait de se divertir pendant qu'on courait en rond en essayant d'expliquer non, à des astres. Non, mais c'était très intéressant. Bah oui, c'est pas parce que je fais des trucs en même temps, c'est juste pour pas rester esthétique. Que j'aime bien ce thème. Prêtresse lunaire, serait-ce la clé pour utiliser le corps du dragon? Je me pose la même question, reine Camira. Attendez, voilà Tarn et les autres. Cinq griffes, parlez-moi. Et du coup, on s'en est parlé à Camira. Parlons à Garechri d'abord. Non mais en fait, je peux pas parler à qui que ce soit, mon truc est bloqué. On peut parler qu'à Garechri, et moi en tout cas. Moi je peux parler à Camira. Aussi. Je peux parler à Camira, je peux parler à Garechri et c'est tout. Ouais, je reload. Ouais, mais moi je peux parler qu'à Garechri et Camira, ouais. Je pense que c'est normal qu'on puisse pas parler à ceux derrière, je me dis. Ce sont des choses qui arrivent. Mais non, mais nous on peut pas. Avec des astres, on peut pas. Ils peuvent pas avancer pas là, voilà. Camira. Ah, après, si vous mettez pas de bonne volonté aussi. Bon, je peux toujours pas parler à Camira, mais bon, parlons à Garechri et on verra si. Peut-être que ça débloquera, oui. Ouais, pareil, pareil. Je suis content avec. C'est dans Spider-Man 2 ou 3 qu'il y a Docteur Octopus qui. Deux. C'est le 2. C'est dans le 2 où il fait le micro-soleil. Ah oui, il y a Sandman aussi dans celui-là. C'est ça? Ou c'est dans le 3? Non, attends, je sais plus. Mais il fait un micro-soleil. Et il se dit, c'est une bonne idée de faire ça à Manhattan, si tu veux. Il se dit, c'est du génie. Sandman, c'est le 3, c'est celui où il y a le Venom un peu tout nul. Ah oui. Enfin, pas un peu, juste tout nul. Mais c'est bien Garechri, 3, 2, 1, clic. La reine est inquiète depuis que vous êtes tous partis vous occuper de Zumokfum. Elle attend de savoir ce qu'il s'est passé. Je vous conseille de lui faire votre rapport immédiatement. Au revoir. Ouais, bah je peux toujours pas parler à la caméra. Hein. Décoroco, hein. Embêtant. Ouais, on va décoroco. Bizarrement, c'est les deux... Les deux humains qui peuvent parler et pas le Khajiit. et l'Argonia. Alors, coïncidence. Humain, t'es rouge garde. Non, c'est pas du racisme. C'est pas du racisme. C'est juste que littéralement, ta race, ton espèce vient d'un autre Kalpa. T'as pas été designé dans cet univers, t'as été designé dans l'univers précédent. Ah, ouais. Donc est-ce qu'on peut... Son histoire, c'est qu'il vient même pas... Il vient encore même de... Ulysse. Ouais, c'est ça. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut te considérer comme humain? Humanoïde, sans doute. Mais proto-humain? Pré-humain? Mais eux aussi, ils sont humanoïdes. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est voilà, c'est parce que même si c'est la même chose, même si tu représentes la faction des humains qui ont été créés dans le Kalpa précédent... Afro-humain. Ok. Moi, mais ce serait stylé. La tribu des Afro-humains, dirigée par le Afro-King, qui utilise le Afro-disco. Et tu sais, il fait des mouvements de sabre en faisant de la disco en même temps. Ça fend les univers en deux, si tu veux. L'Afro-disco. Non, putain. Je paierais pour regarder ce dessin animé fait par les mecs qui ont fait Funky Cop. Oh oui! L'afro-disco, ça déconne zéro. C'est bon, les astres? Ouais, c'est bon. Moi, c'est bon aussi. Ok. Camira, 3, 2, 1, clic. Je suis heureuse de vous voir, vous et tous les autres cinq griffes. Et j'ai hâte d'entendre ce qui s'est passé. Attendez, où est Cadwell? Vous avez vu Infinity War?
C'est qui le dernier? La Crane. Il a fait pchouit. Il a fait pchouit, madame. Cadwell a disparu. Nous avons arrêté Zumokfum, mais pas avant qu'il n'ait ranimé le traître. Voilà qui n'annonce rien de bon. Calmez-vous, calmez-vous. Kunzari était un grand héros, devenu terrible criminel. Il a fallu tous les autres champions et les prêtres lunaires d'Ankina pour l'arrêter. Mais en quoi le retour du traître pourra-t-il aider les dragons? Cadwell a commencé à recouvrer la mémoire. Il a dit que le traître cherchait un endroit spécial où trouver le cœur de Jod. Un endroit particulier, dites-vous? Cela ne nous renseigne pas vraiment, Saint-Griff. Cadwell vous a dit autre chose avant de disparaître? Il a parlé d'Anikina et de l'emprisonnement des dragons. Il a dit que vous en possédiez la clé. J'étudie les légendes antiques. Elles parlent du cœur de Jod, une sorte de crypte fortifiée. Kunzari a berné les démons, les a poussés à y déverser leur pouvoir. Maintenant, nous savons que ces démons étaient des dragons. C'était une métaphore, ouais. Quant à la clé... Vous savez de quoi Cadwell parlait? Réunissons-nous dans l'étude royale. J'ai quelque chose à vous montrer. Des livres? Ouais. Moi, je reste encore sur l'afro-disco. Oh, t'imagines, Crane qui descend de son cheval... L'afro-disco son... Il descend de son cheval sauf son cheval... Parle, hein. De quoi? Il y a quelqu'un qui parlait, qui disait « C'est bien vrai que vous avez rencontré Molag Bal en personne. » Vous avez pas eu ça? Non, non, ah, j'ai non. pas eu ça. Non. Ah oui, vous avez que des persos qui n'ont pas fait la quête principale, je pense. Moi, j'en reste pas. J'imagine Crane qui descend. Cadwell a parlé d'Anjama, l'une des championnes de Kunzari. Il a évoqué une clé. Je pense qu'il parlait de mon pendentif. Je m'en souviens. Votre mère le portait avant vous. A-t-il une importance autre que sentimentale? Ça me cache des scrutations magiques. Mère prenait mon pendentif dans sa main et disait... Pendant que Kunzari souriait, Ankina demanda aux lunes de tourner pour lui. Ah oui, c'est les ruines du fait. Temple de la Danse d'Ombre, c'est là que le traître Lorsque j'étais jeune fille, j'ai découvert que le pendentif et cette vieille carte interagissaient de façon intéressante. Ils sont coupés la parole? Oui, mais ça se respecte pas, si tu veux. Attends, je finis cette pensée. Une fois, c'est à Amnurtarn qu'on coupe la parole. Je finis cette pensée avant qu'elle me hante. Voilà, Crane en armure de plaque, mais c'est une armure de plaque, pas d'éléphant. À col ouvert. À col ouvert. L'armure de plaque à col ouvert. C'est pas full disco. Et son cheval, c'est une chargeur. Tu sais, c'est une muscle clair. Tu sais, c'est un muscle cheval en fait, avec un pare-choc à l'avant et tout. Et il a des comment ça s'appelle, tu sais, les trucs qui font lever la voiture, des hydrauliques. Voilà, c'est bon, j'ai fini. Merci, okay. Fallait que je le dise. C'est fou. Voilà, ça... Si quelqu'un peut faire l'artwork, envoyez-le sur Twitter. On veut voir Crane avec un habillé comme Larry Laffer de Laser Suite Larry 7, mais en plaque. Quoi. Oh, Larry Laffer. Oh là Larry là, Laffer. Plaque quoi. Voilà, c'est bon. Par contre, là, on est tombé dans une histoire de Chica Rowling, un pendentif, une carte qui réagit magiquement. Qu'est-ce que c'est, un jeu vidéo des années 90? Non, il n'y a pas de chicha dans J.K. Rowling. On peut parler à Zamarak et à Abnurtarm. Pour plus de lore. Oui, ou on peut parler à quelqu'un. On va commencer par qui? Par Zamarak? Zamarak. Allez, le plus 3, puissant. 2, 1, clic. Je me rappelle bien le pendentif de Camira. Sa mère, la reine Numara, le portait avant de le donner à sa fille. Mais j'ignorais tout de son enchantement. Abner? 3, 2, 1, clic. Intéressant. Un pendentif magique. Je me demande si Camira me laisserait l'étudier. Quand elle aura fini de s'en servir, bien sûr. Revoir. Okay. En même temps, si la magie de ce pendentif, c'est juste de révéler un point sur une map qui est mal dessinée en plus. Camira. Allons-y. Brrr. Vas-y. 3, 2, 1, clic. Ma mère m'a appris les histoires de Kunzari. Je vous ai dit qu'elle était Chantelune avant d'épouser mon père. D'après elle, ce pendentif appartenait autrefois à Ankina. Je suis une descendante d'Ankina, une descendante directe d'après les prêtres lunaires. Cette marque sur la carte, qu'est-ce qu'elle indique? Une ruine antique. C'était le temple de la Danse d'Ombre, mais il n'en reste que des murs éboulés. Enfin, Cadwell a indiqué que le pendentif permettrait de trouver le traître. C'est notre seule piste. Votre mère vous a raconté qu'Anequina a pu déplacer les lunes pour...
Kunzari, c'est bien ça? Oui, d'après l'histoire de Kunzari. Il a berné les démons pour qu'ils lui donnent du pouvoir. Puis Ankina a déplacé les lunes afin d'entreposer ce pouvoir dans le cœur de Jod. Bien sûr, nous savons à présent que ces démons étaient en fait des dragons. Et que les lunes étaient des cailloux. C'est peut-être de ça que Capdo elle parlait. Racontez-moi la suite. Kunzari a pu berner les dragons affaiblis pour les enfermer dans les salles du Colosse. Mais l'un de ses compagnons l'a trahi. Il l'a poignardé dans le dos pour partir. Sur les lieux de la danse noire, pour voler le pouvoir des démons. On dirait les ruines de la danse d'ombre. Nous devrions les examiner. Je crois que vous avez raison, Saint-Griff. Le traître doit vouloir finir ce qu'il a commencé dans l'Antiquité. Mais les dragons aussi désirent ce pouvoir. Serait-il de mèche? Quoi qu'il en soit, nous devons rejoindre les ruines du temple. Où sont les ruines de la danse de l'ombre? Comme nous l'avons vu sur la carte, les ruines se trouvent dans les contreforts à l'est de la Balafre, entre Orcrete et la ville d'Akoshae. Nous vous retrouverons sur place. Au revoir. Bon, c'est super, on y va? Sur ta carte. On a toujours pas fini de quête là sur la quête principale. Ouais, tout à fait, il est temps d'ouvrir des caisses! Devant le trône. D'accord, devant. Ah, ça parle. Nous devons intégrer vos irréguliers de Cygnus à la porte lunaire, préfet Kalo. Entendu. Nous nous entraînons depuis plus d'un an à rejoindre vos troupes. Un an? Mais il y a un an, nous étions encore ennemis. Peut-être. Mais je savais depuis le début que nous finirions par combattre les Uraxiens côte à côte. Oh là là! Oh là là! La réécriture de l'histoire en mode oui, mais on soutenait les Gilets jaunes depuis le début. Oh, la stratégie Coca-Cola, quoi! Du coup, on ouvre pas les caisses devant le coffre, je sais pas. Mais t'avais dit devant la porte là-bas. Ah, oui, devant le trône, j'ai dit, mais. Ah, devant le trône! Je crois que c'était moi devant le point de quête. Attends, on est pas obligé de rentrer, on rentre pas. On peut faire dehors là. Là, sur, ouais, sur le tapis. Allez-y, dans le palais, devant le palais. Mais excuse-moi. Voilà, parfait. Derrière le cul de la statue, impeccable. Avec ce cul, voilà. De... impeccable. Les fans. Allez, chaton cagé, j'ouvre, j'ai ouvert. Allez, vas-y. Ouh, la carte! Allez, les nouvelles lunes, s'il te plaît. File-moi un truc bien, une fois. Carré de filaments d'ombre, un meuble. Violette, c'est déjà mieux que rien. Bouclier de la nouvelle lune, style vestimentaire. Un parchemin d'XP. Bien joué. Un parchemin d'XP aussi. Deuxième. Et des astres. Rien du tout. Très bien. Deuxième caisse, c'est parti. Sauce, nous chatons. Et d'ailleurs, est-ce qu'on n'a pas oublié de parler du nouveau DLC? Moi, j'avais pas le poney, c'est déjà bien. Est-ce qu'on n'a pas oublié de parler du nouveau DLC, de la quête à faire, des choses comme ça? On avait une OPSP à faire, hein, si je me souviens. Ah, oh, ça. Il y avait rien, non? Si, bah si, faut parler du fait que... bah oui, que il va y avoir le j'allais dire prélude. Il y a le prologue pour Dragonhold. Vas-y, vas-y, désastre, voilà. Fais ton taf, vas-y. On t'écoute. Il y a la quête prologue pour Dragonhold, donc qui est une suite de la quête principale. Donc je vous conseille d'avoir fait la quête d'Elsewhere pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et puis du coup, ça introduit le prochain DLC qui devrait sortir lundi. Et le prochain DLC, ça se passe où? C'est dans le sud C'est sud Elsewhere. Ah, en fait, fantastique, la zone du sud. On va avoir deux fois plus d'Elsewhere. C'est ça. Oui. Est-ce qu'ils ont fait des jolis trailers pour que je fasse une belle intro ou non? Mais à l'E3. Pas pour j'ai pas vu. À l'E3, il y avait le trailer, on voyait déjà des cinématiques de ouf. J'ai rien vu. J'ai rien suivi. On en ouvre une dernière du coup ou pas? Oui. Une dernière caisse. Oui. C'est vraiment pour te faire plaisir, hein, t'es gourmand aujourd'hui. Je suis. Ah ouais, mais bon. Le truc que j'ai eu, c'est un truc des bleu. Des parchemins. Oh vas-y, j'en peux plus. Moi j'ai pas le marquage, c'est juste ça. Rien du tout. À la prochaine. Allez, caisse de la nouvelle lune, c'est une plaie quoi. Je sais pas combien j'en suis à d'ouvrir, mais... Par contre, j'ai gagné un meuble, c'est des carrés de filaments d'ombre. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Ah, c'est stylé, ça. En fait, c'est, tu le poses au sol et ça fait comme une espèce de brume noire maléfique. Ah, c'est voilà. Une proute, quoi. C'est une fuite de gaz. C'est pas stylé, c'est toxique. C'est bien pour une atmosphère un peu dark. Ah, bravo. Comme j'aime bien faire, quoi. Oh, bah, bravo. Pécam. Veux-tu en ouvrir une de la frustration ou on termine là? Une caisse de la frustration.
Oh, bon, si tu insistes. Allez, on insiste. J'insiste, là, ce coup-ci, c'est moi qui prends. Full responsabilité, nouvelle lune, frustration, allons-y. Allez, chaton. Choisissez une réponse. Ah, c'est la bonne, celle-là. De la merde. Impeccable. Portez-vous. Oh, une caisse. Oh, une en plus. Oh là là. Violette. Oh là là, le parchemin. Dommage. C'est violet. Ça va être un pare-chaud. Ah, le bleu j'ai déjà, et le violet j'ai déjà. Parfait. Parfait, je les aime ces caisses, elles sont fabuleuses. Elles sont fabuleuses. Oh là 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 là. Mais pense à tous ces cristaux que tu as récupérés. Ah oui, ça par contre, des gemmes. Je sais pas combien j'en ai, mais ça commence à être bien. Ouais, il est 1520. Ton Pokémon, il est translucide. Bon, ceci dit, j'ai un nouveau pet quand même. C'est un patronus. Fais voir. Familier, tu es où? Sors-le ton Pokémon qu'on rigole. Oh, c'est un poney! Ouais, c'est un poney. Attends, j'en ai pas un moi aussi? Fais voir, attends. Si. Ça va avoir un double poney, mais c'est qu'un poney. Double poney. Si tout le monde prend des familiers, ça a commencé à prendre de la place par contre. Un lutin grave. Le cri, il est trop beau. Ah, il est horrible, oui. Il est insupportable. Ah, il est trop beau. Je trouve une couette avec cette tenue. Hein. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme. Waouh! Waouh, il est un Luciborg! Oh, j'avoue, et c'est un ours! Oui, c'est ce que je voulais dire. Un ours, c'est ours dans ma tête et j'ai dit l'ours. Oh, il va bien avec moi là, le petit sanglier. Et monture, qu'est-ce qu'on pourrait mettre qui va avec? Je m'en fous, mon chameau il est gothien. Il crache dessus, regarde. Je vais essayer ça. Oh, c'est pas mal ça! Avec ma parfait. Tenue, non? J'ai mon. Oh bah oui! J'ai mon cerf spectral et mon poulet spectral. Alors, ça, c'est 1100%, mon cher Crane. Très bon goût. Très bon goût, très bon goût. La fashion, le c'est pet, important. Je sais pas. La mais fashion, le c'est pet, il est assorti aussi. Je le, sais pet, pas si c'est le pet, il va très bien, le pet. Ça fait le taf. La fashion, c'est important, les enfants. Je sors le tigre sèche de Saint-Germain. Ça te rend plus fort. On se met en route ? Dans une petite seconde, sortir le Saint-Germain plutôt. Voilà. Cohérent. Voilà. Le Kajik, mais qui va à la salle. Allons-y. C'est dans quoi déjà la monture que j'ai ? C'était genre. Dans l'édition collector de Somerset, il me semble. Somerset, c'était la bleue. Ouais, c'était pas. C'est... Non mais il me semble, on l'a tous celle-ci parce que c'était un cadeau, oui. Je sais plus comment mais... Je crois que c'est ça ouais, c'était les Somerset il me semble. Elise, je te fais confiance, hein, je te suis mais... Oui, vas-y, tu peux. Je peux toujours me faire confiance. Sauf quand je vais assassiner des gens dans l'arbre. Oui voilà, c'est ça, j'allais dire ça. Ah, je suis bloqué dans le décor. Ah. Ah t'as le... Encore ouais, le sol est devenu de la pâte à modeler. Je joue sur un jeu PS1, c'est Dark Age of Camelot. Crane, je joue à Ultima 7. Un jour, Bob changera de PC. Je suis sur EverQuest, le premier. Allez, saut de l'ange. Ah, oh, mais pas assez. Mais ils sont où les buffs? Désastre. Ah oui, je les ai mis comme moi. Moi qui me fais un oiseau! Ah bon? Là ça a l'air un peu haut quand même. Hein. Ah oui, bah bravo! Ah, c'est passé. Et bon, ouais, ça passe. J'ai beaucoup crié, mais c'est passé. Ce désastre fantôme. Ce désastre de ses erreurs passées. Là, je pense que je n'ai pas le droit de sauter là. Je me suis tué. Ah, merci. Passe. Nickel, parfait. Merci pour le heal. Être crypté de père en fils. Je vois des gens qui sont morts. C'est dans quoi ça? C'est un vieux film. C'est un vieux style, là. Sixième sens. Ouais, voilà, c'est ça. Pas très très vieux non plus. Quoi. C'est vieux? Si, si, c'est vieux. C'est vieux le sixième sens? Pour le coup, c'est vieux, ouais. Bah pour un film, oui, je pense. Là, quand ça a plus de 15 ans, ouais, voilà. Ça commence à peser, si tu veux. C'était le siècle dernier. Ouais, j'avoue. C'est ça. Le millénaire dernier. Ouais, c'est vrai. Putain, c'est vrai.
C'était dans l'ancienne Goma. J'avoue, vous vous rendez compte qu'on est dans le futur. Pourquoi les voitures volantes ? À chaque seconde qui passe, on est de plus en plus dans le futur, les enfants, c'est chaud. Pas tant que ça, il date de 1999. Bah ouais, mais ça reste l'ancien millénaire. Ah bah c'est 20 piges, hein. Dis-toi, il y a des gamins, ils sont nés après ce film, ils ont le droit de vote. Hein. Je cherche toujours l'entrée. On tourne autour de l'entrée, j'ai l'impression. Hein. Ah bah elle était là, elle était cachée entre les... Ouais. Pourquoi elle était cachée, elle est ici. J'ai encore fait la main. Non mais non mais... Si le dragon qui tourne dans le ciel nous repère, j'essaierai de le repousser. Putain, je fais des vrais dégâts. Je vais vous aider. Oui, je suis sûr que vos points feront toute la différence. Abnurtal qui parle mal au chaton. Mais là, il faut qu'on leur parle. Qui tu veux parler? Attends, déjà, rangeons les poneys. Parce que c'est joli, mais... Clairement, ça prend de la place. Oui, tout petit, mon petit sanglier, moi je le garde. Ouais, non, mais rangeons les doubles poneys, voilà, calmons-nous. Où sont les familles pacifiques? Voilà, très bien. En paix. Zamarak? Lance, dis quand tu veux, Elise. 3, 2, 1, clic. Je vais aider Tarn contre les dragons. En attendant, entrez. La reine Camira vous attend. Il a pas l'air... Putain, et ça, j'avoue, on dirait qu'il a pris du sucre d'une, là. Oh, le bad. Je suis défoncé. C'est ça. Abnur, parlons à Bubur. 3, 2, 1, clic. Les dragons sont nerveux, mais aucun signe du traître. Allez aider Camira à l'intérieur, mais faites vite. Nous sommes trop à découvert à mon goût. Ça va, t'es sous l'arbre. Ah, quoi que non, il y a vraiment un dragon au-dessus en fait. Ah non, mais. Ouais, ouais, pas bien. Crane, tire dessus. Fais pas la portée. Ah merde. Putain, tu bandes mou. Et c'est l'occasion que j'ai de dire ça et que ce soit cool. Et que ce soit techniquement si juste. Ce temple nous réserve d'autres surprises. Ça part. J'ai passé je crains de ne pouvoir y accéder. Pas assez dur, apparemment. Au cas où vous auriez pas remarqué au milieu, en tenue de reine, c'est Sigma. Ça ou ça? Bah là. Oh j'avoue. Oh elle est impériale. Elle est belle, Sigma. En même temps, comment tu veux faire la différence entre un Khajiit mâle et un Khajiit femelle sans soulever la queue, si tu veux? 3, 2, 1. Oh mais voilà. Clic. C'est le bon endroit. Je le sens. Mais rien dans cette pièce n'a l'air de pouvoir déplacer les lunes ou ouvrir un chemin vers Jon ou Jod. Qu'est-ce qui nous échappe, Saint-Griff ? D'après Dakwel... Dakwel... Cabré Dakwel, c'est votre pendentif, la clé. Et Mistar sait que j'ai essayé tout ce qui me passait par la tête. Je l'ai tendu, présenté avec force, et même secoué énergiquement. Ça n'a rien donné. Oh, je ne sais pas quoi faire d'autre. Bah, le pouvoir de l'amitié, merde. Bon. Vous aviez dit que parfois, votre mère vous racontait des histoires. Elle aurait pu dire quelque chose, genre miaou. Mes souvenirs et les histoires de Kunzari se mélangent. À force de faire des recherches, tout s'en mêle. Attendez, peut-être... quelque chose me revient. Peut-être que si je répète ces paroles en levant le pendentif... Ouais, c'est pas mal ça. Ça ferait pas de mal d'essayer. Lorsque le sang d'Ankina appelle, la danse d'ombre commence. Oh là là ! Par les lunes, vision divine. Vous avez ouvert un passage. Avancez. Zamarak et moi nous occuperons du dragon à l'extérieur, d'une manière ou d'une autre. Attendez. Les lunes veillent sur vous. Venez, Saint-Griff. Voyons où ceci nous mènera. Elise, t'es déjà dedans, bien sûr. Non. Encore un dialogue. Il y avait encore un dialogue? Bah pas sur le calcul, mais ils parlaient les NPC. Et on peut parler à Zamarak et à Abnur aussi, mais bon. Ouais, mais il y a plus Elise, on va... Ouais, allons-y. Allez. Mais Elise, bouge pas, hein. Il y a un pierre-papier-ciseau qui se fait. Hein. Ah bon? Ah bah oui.
Il y a une grosse baston qui s'annonce. Ah bah on entre dans un sous-espace qu'agite. C'est trop beau. Pas chargé chez moi pour le moment. Cette eau qui coule de partout. Que c'est beau. Pourquoi ceci est-il resté caché c'est si C'est littéralement le temple d'Anvar sous la cascade dans une grotte. Ah j'avoue c'est. Ouais. À part les cadavres sur le pont, l'endroit a l'air accueillant. Il y a même des petites lumières et tout, j'avoue, c'est pas... Regardez à droite ! Tout au loin là-bas, tout au loin à droite, sur le mur. Au-delà de la... Il y a des hiéroglyphes. Ah, tu les as pas vus à gauche ? Ils sont encore plus gros. Ah putain ! Effectivement. Des hiéroglyphes qui agitent, c'est trop stylé. Regarde ça, ils ont une culture, c'est adorable. Adorable. Bon, voilà, bien attends, par contre... Pierre, papier, ils ciseaux. Qu'on aille tout droit. Mais du coup, si on saute, qu'est-ce qui se passe ? Attends. Pierre, papier, ciseaux. Crane, c'est toi qui, arbitre. Tu fais pierre, papier, ciseaux et tu nous laisses le temps de taper. Vas-y. Allez. Pierre, papier, ciseaux. Dans 3, 2, 1, go. Oh, alors, ciseaux, feuilles, ciseaux. Désastre éliminé. Ça se joue entre Élise et Bob. C'est quand tu veux. Pierre, papier, ciseaux. 3, 2, 1, go. Et merde! Bien joué! Ah, je... Non, elle a mis papier. Non, elle a mis pierre. On a déjà voté pour celui-là. Bien joué. Ouais, et ben, ce sera Élise. On saute sur le côté quand même. Je vais faire quoi? On dirait que cet endroit comporte des gardiens. Ah, si, tu peux. Mais ils n'ont pas pu arriver. Mais quand tu rentres, c'est la question. Putain, il y a des gardiens. Alors là, il y a un perso. Car Jojo's Bizarre Adventure. Il est là. C'est stylé. Là-bas, ça donne quand même envie de se balader en bas. Hein. Ouais, c'est chaud. On n'allait pas aller balader en bas. Oh, mais les hiéroglyphes. On pourra peut-être jamais revenir ici. Moi, c'est les hiéroglyphes qui me. Si tu pourras revenir, si tu re-regardes la vidéo que tu produis. Parfait. On peut la voir cet endroit en housing? Ce serait bien. Ce serait fou, hein. Bon, après, pour le facteur... Je demande, je me t'aurais pas assez de meubles. Ouais, c'est ça. Après, pour le facteur, c'est chiant. La piste du traître. Ah, c'est surtout qu'il y a la même limitation de meubles. Cette relique. Voyez ce qu'elle vous inspire, Saint Griff. Touchez à rien. Laissez-nous regarder d'abord. Oh là 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 là. Ça crée quoi, une optique? Comme une lentille? Oui, c'est une lentille, c'est sûr, mais Dieu que c'est beau. Oh là 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 là, t'imagines le pognon que ça rapporte ça dans un musée impérial? Mais ça c'était la boussole, non, on dirait? La boussole... Absolument. Boussole lunaire, parce que regarde au-dessus, il y a une belle ouverture là. Tiens. Ah ouais. Bon, il fait pas nuit, mais ça compte. Qui c'est qu'un poulet qui fait... un poulet fantôme. Ah, c'était mon poulet. C'est pas grave, c'est rigolo. C'est celle qu'on a dans la main quand on met une monture de Bandari. Oui, tout c'est à fait. Regardez la tenture sur le côté. Ah. Ça fait de la lumière. C'est un hologramme. Qu'est-ce qu'ils font ? C'est Mélenchon. Le temple m'a reconnu. Je suis harmonisé. Eh ben, il faut parler à caméra. Tout le monde chope sa caméra. La tapisserie, elle est stylée. Ouais, je la regardais pendant que vous avez activé le truc. Ah, c'est bon. Oui, mais moi, il n'y a pas marqué par la caméra, mais... Bah, y a... Non, mais je vais parler. On peut. Ah, ok. 3, 2, 1, clic. Cette relique est liée au lacis lunaire. Lorsque vous l'avez touchée, quelque chose m'a parlé, comme si j'y étais harmonisée. Aidez-moi à trouver les autres reliques du lacis pour achever mon harmonisation. C'est la seule façon d'arrêter le traître et les dragons. Oh là là, c'est lié au Lorcan lunaire, c'est fou! Pardon, je t'en prie. C'est à qui, je sais plus. C'est à Bob. C'est pas un vrai dialogue, mais j'ai déjà fait, hein, c'est pas un peu pour ça. Comment ça, harmoniser? Les prêtres lunaires qui servaient ce temple étaient harmonisés au lacis et à ses chemins cachés. Ils pouvaient déplacer les lunes et danser entre les ombres. Le traître a été harmonisé dans un lointain passé. Je pense que c'est ce qui lui permet d'utiliser des portails. Mais ça n'explique rien, pourquoi êtes-vous harmonisé? Le temple...
Le Lassi. Ils ont reconnu le sang d'Ankina et... chanté. Je comprends tout. Ankina a déplacé les lunes pour que Kunzari puisse atteindre le cœur de Jod. Le traître veut en faire autant pour les dragons. Sang de quoi ? Chaton, chaton, regarde-moi, regarde-moi. Essaie de faire du sens. Comment le traître peut-il déplacer les lunes ? Vous devez mieux m'écouter, Cinq Griffes. Le traître est harmonisé. Lorsqu'il atteindra le sanctuaire du temple, il activera l'appareil de la porte lunaire et mettra les lunes en mouvement. Je dois achever mon harmonisation avant que cela ne se produise. Putain, non, elle parle avec ses babines, elle dit des mots, mais je comprends pas. Quelqu'un a pigé ? Oui. Et donc ? Et donc, elle a été harmonisée parce... En gros, elle a été éveillée vis-à-vis des temples, et ils vont lui donner une solution pour empêcher la ligne... Okay. Comme par hasard, tu passes sous un tunnel quand tu dois expliquer. C'est ce qui est cohérent avec tout, si tu veux. On a c'est pas grave. Allons tuer. Je suis harmonisé. Allons tuer des trucs. Barrez-vous, fantôme. Barrez-vous. Voilà. En gros, elle a été éveillée. Elle a éveillé les esprits et du coup, elle-même s'est éveillée grâce au sang d'Anikwina. Et les esprits du temple vont lui enseigner comment, donc, comment empêcher. C'est l'avatar. L'alignement. Mais Sigma. Pitié, Sir Cadwell. Vous faites partie du Krajoun de Kunzari. Pourquoi faites-vous tout ceci ? Je veux ce que Kunzari a caché. Et je dois déplacer les lunes pour l'atteindre. S'il faut tuer quelques chats au passage, la belle affaire. Vous êtes fou ! C'est une façon de parler à son nouveau dieu ? Ça, Il n'avait pas l'air commode. Le temple. Les Il jeunes nous montre comment le traître s'est harmonisé. En butant des chats ? C'est une méthode que je peux enjoindre, mais c'est pas... Une autre relique du temple. Activez-la pour moi, Cinq Griffes. Vas-y, harmonise. Wawa ! Je comprends. Il y a jaune et jaune dans ses mains. Déplacer les lunes provoque une éclipse. Ah, qui ouvre la voie vers le cœur de Jod. Ok. Et donc, ça, ce sont. Déjà tout compris. Ce sont tous les prêtres précédents d'Anikina. Avec Anikina. Oui. Elle-même. Ah. C'est Fumax. C'est presque triste cette manie qu'ont les fidèles d'Anikina de se jeter sur ma lame. Presque. Bon, il y avait des trucs. Ils sont morts. La dernière relique du temple. Vas-y, désastre. La voilà. Activez-la, je vous en prie. T'es un Kaji. Tu mentelles. Alors, vous avez vu la tapisserie ? Maintenant, Cinq Griffes, nous devons atteindre le sanctuaire du temple. Donc on va littéralement avoir des lentilles qui vont faire un truc en face de la lune, ça va faire piou ! Piou, indeed. Ça se fait tellement du bien de faire des dégâts. Ouh, attendez, il y a un truc qui brille là. Les chroniques de Johari, chapitre 3. Merde. Il y avait plein de papiers importants. On les a ratés, c'est pas grave. C'est sans importance. En tout cas, c'était beau hein, cet endroit. J'avoue. Hein. Ça nous met la max. Hein. Attendez, mon ami. Discutons avant de faire face aux traîtres. On doit discuter. Je rappelle, c'est Elise qui le 1v1. Il y a un autre papier là si tu veux, Bob. Où ça Ah, John Joe, le Crovid. Oh. D'accord. Ok. C'est ce qu'on voulait. 3, 2, 1, clic.
Ces souvenirs antiques sont de plus en plus clairs dans mon esprit. Nous suivons la même voie que les héros des légendes. Kunzari, Ankina, le traître, tous ont gravi ces degrés vers le cœur de Jod. C'est un désastre. Okay. Ouais. Dites-moi tout ce que les souvenirs harmonisés vous ont montré. Je vois la vérité des mythes et des légendes. Miaou. Kunzari a berné Khal Grontid, qui a déposé la puissance des dragons dans le cœur de Jod. Puis les héros de Kradjoun les ont attirés dans les salles du Colosse, et ont scellé la porte. Oui. Puis le traître a poignardé Kunzari dans le dos. Oui. Il a tué Kunzari. Puis il est venu dans ce temple pour voler le pouvoir des lunes, et ouvrir le chemin vers le cœur de Jod. Vous voyez ? Le chemin n'apparaît qu'à la porte lunaire d'Ankina quand les lunes sont alignées. Lors d'une éclipse, par exemple. J'avais raison. À l'époque, ce sont les prêtres lunaires qui ont arrêté le traître. En se jetant sur sa lame. Mais beaucoup sont morts avant de lui trancher la tête. Le traître était le plus grand guerrier de son époque. S'il faut l'affronter, ce sera difficile. Oh. Un appareil dans le sanctuaire est lié à la porte lunaire. C'est ce que nous cherchons. Occupez-vous de l'appareil et Elise se charge du traître. Nous allons entrer à l'endroit où le traître a connu son plus grand échec. Où il est mort, tué par les derniers héros et les prêtres lunaires. Nous devons nous assurer qu'il va mourir encore. Avez-vous un conseil pour affronter le traître ? L'ombre d'Ankina s'assombrit de rage chaque fois que je pense à lui. Même avant sa trahison, elle le détestait. Il était vaniteux, fier, un excellent combattant, mais plein de morgue et d'arrogance. C'est peut-être ça, sa faiblesse. Son orgueil. Ah putain, faut lui dire... Je vais taper son orgueil très très fort. Faut lui dire, même pas Cap... Même pas Cap, tu résistes à ce poison. Même pas Cap, tu prends cette lame dans ton cou sans mourir. C'est ça, même pas Cap, tu croques ce gâteau au cyanure. Le pudding à l'arsenic. Même pas d'actu, tu prends le pudding à l'arsenic. Ah putain. Même pas Cap, tu te suicides. T'as pas de couilles. Ok, attendez. Oh, faut qu'il mette cette porte-là dans le housing aussi. Avant d'avancer, équipez-vous bien. Préparez vos émotes. Attendez, regardez si on n'a pas une émote bonus. Un truc pour manger des pommes ou quelque chose cool. Ah bah voilà. Ça, drink from skull. Très bien ça. Drink from skull. Qu'est-ce que vous avez vous ? Trop tard, fou ! L'éclipse a commencé. C'est bon ? Eh ben, je vais partager le pouvoir avec les dragons. Ça parle. C'est magnanime, n'est-ce pas ? Eh ben écoute, vas-y, on te regarde. C'est quand tu veux. 1v1, aucune interruption. Et s'il y a des adds, on n'y touche pas. Oh là là ! Régalez-vous de ces bons souvenirs, idiot ! Ouh, les rayons magiques ! Régalez-vous de ces bons souvenirs, idiot ! Ouais, cette petite esquive du... Oh là là ! Ouh là 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 ! Oh, ce péplum ! Mes portails vous roule, roule, roule ! Oh là 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 là! Aïe aïe aïe! Bois une potion! Bois une potion! Elle tient, elle tient, elle tient! Régalez-vous de ces bons souvenirs, Aïtilo! Achève-le avec un mouvement stylé! Il y a un problème. Je ne peux pas arrêter l'éclipse. Petite frayeur. Bien joué! On ne peut pas arrêter l'éclipse, mais tu... Ça va par contre, on voit ton cœur et tu. Ok, d'accord. Oui, c'est mon heal. Ah! D'accord, tout s'explique. Bien. Oui, c'est ça. Ah d'accord, je savais pas. C'est stylé. Cœur de dragon, ça. Oui. Bon. Sans dragon. Sans dragon. Sans, ouais. Ok, très bien. Bah écoute, caméra, ce qu'on voulait. 3, 2, 1, clic. Le traître a modifié l'appareil. Les lunes n'entendent pas mon appel. C'est peut-être parce qu'on est en plein jour. Crail. Capte pas. Vous ne pouvez pas arrêter l'éclipse. Capte pas. Non. Le traître a mis les lunes en mouvement, et elles ne répondent pas à mon chant.
Rien ne pourra empêcher les dragons d'utiliser la porte lunaire d'Ankina pour atteindre le cœur de Jod. Alors tout est fini? Elle serait condamnée? Pas encore. Ce dispositif déplace les lunes, mais la porte lunaire d'Ankina crée le portail vers le cœur de Jod. Heureusement, j'y ai envoyé des forces pour la défendre des dragons. Nous allons les rejoindre. Mais d'abord, les souvenirs me disent qu'il me reste une chose à faire ici. Qu'est-ce qu'on doit faire? Les souvenirs d'Ankina me montrent comment elle utilisait le corps du dragon. Le corps du dragon de combat que vous m'avez donné, il faut l'alimenter pour lui rendre ses pouvoirs. Activez la relique du temple la plus proche, et je chargerai le corps du dragon. On va activer la relique du temple. Bon bah... Kunzari, Ankina, Cadwell, wow. Jon et Jod, tout cela dans le corps du dragon. Wow. Oh, il est pas en forme. Oh shit! Une petite tête dans le plasme rafraîchissant de Havreglas, et me voici en pleine forme. Alors, oh, où est mon bois maléfique? Je l'ai... On va le buter? Je vais le buter. Allons-y. Tu lui parles? Ouais. 3, 2, 1, clic. Où est ce monstre? Laissez-le-moi. Je suis revenu dès que j'ai pu pour vous aider à fesser le traître. Le traître a déjà pris la fessée, ça vous va? Oh, je suis en pleine forme! Je croyais être retourné un instant à mon cher Havreglas, mais c'est sans doute parce que on a détruit mon autre moitié. Alors, bien travaillé? Le monde est sauvé! Et pas strictement, non. Le traître a mis les lunes en mouvement et lorsqu'elles pourront aligner, on va atteindre le cœur. Bad news! Ce n'est pas encourageant. Laissez-moi réfléchir. Si je me concentre, je peux me rappeler ce qui passait par la tête de mon alter ego méprisable. Il voulait que personne ne puisse empêcher l'ouverture de ce chemin. Il l'a promis au dragon. Il y a forcément un moyen d'empêcher cette éclipse. J'ai bien peur que non. Enfin, pas d'ici. Il a fait quelque chose à l'appareil. On ne peut plus l'utiliser. Camira pourra peut-être séparer les lunes, mais elle aura besoin de le faire depuis la porte lunaire. Elle a l'air un peu fatiguée, cela dit. Vous ne trouvez pas? Faut la ramener à Rimmen. Je vais bien. Cadwell, pouvons-nous utiliser votre portail pour retourner à Rimmen? Bien sûr, Camira. Tout est prêt. Et bah, bon. Et bah, allons-y. Bah, whoop. Ah, ça aurait été vite, parce que... Va pas là-dedans, si tu veux. Allez, baououp à Megaman, baououpoupoupoupoupoup. Quel merdier quand même, mais stylé la porte. Très très longue, ceci dit, cette quête, on a toujours oh là pas là validé. Là. Ouais, j'avoue, elle est longue. Parce que on a fait Ezumokfum et le traître à plusieurs endroits. À tout mon à avis, fait. Est fini là, mais... À mon avis, on est bien, ouais. De toute façon, ce sera les dragons oui. Hein, qu'il faudra se saucer, les dragons 1v1. Ouais, mais il faut absolument qu'on finisse ces secondaires. Absolument. En tout cas, le 1v1 des boss, c'est spectacle, hein. Je sais pas vous, mais... T'as la petite frayeur. T'as le crane qui en chie avec les 150 hades et qui sait plus où donner de la griffe, si tu veux. Ouais, vous voyez surtout pas. Il y a trop de squelettes pour mettre des gifles. Qu'il était là. C'est ça. Excellent. Eh ben écoute, Camiron. Élise. Ah oui, d'accord. Non, mais je cherchais d'où venait la musique. Quelqu'un fait du hood quelque part. Bah, c'est Cadwell, très bien. Oui, c'est Cadwell et qui siffle. Eh ben, 3, si ça la musique. 2, 1, clic. L'éclipse approche, et avec l'ouverture de la porte lunaire d'Ankina. Il nous reste peu de temps avant que le cœur de Jod n'apparaisse. Au moins, je suis harmonisé. Et j'ai pu charger le corps du dragon. Cool. Ah pardon. Cool. Que faut-il faire maintenant, Camira? Gareshri est déjà parti à la porte lunaire d'Ankina pour prendre le commandement des forces sur place. Nous le rejoindrons rapidement. Merci de m'avoir aidé à m'harmoniser, Saint-Griff. Avec vous et mon ancêtre à mes côtés, nous arrêterons les dragons. La lame du traître, juste une dague impériale nulle. Mais pourquoi pas? Accomplir la quête. Nous avons arrêté le traître,
mais il avait déjà mis les lunes en mouvement. Bientôt, elles seront alignées. L'éclipse ouvrira la porte lunaire d'Ankina, et le cœur de Jod sera accessible. Ce qui est exactement ce que cherchent les dragons. J'ai gagné un costume. Ah bon ? Oui, un costume de sainte dorée. Mais... Parce que t'as pris des CP. Normalement, tu l'as... Ah, d'accord. Oui. Et un succès déverrouillé, traître traité. Ça lui apprendra. Oui. Ouais. Ouais. Moi, j'aurais préféré traître trait, mais voilà, ça aurait été marrant. De combien de temps disposons-nous ? Un peu, mais pas beaucoup. Nous avions anticipé le lien avec la porte lunaire et avons envoyé Garechri y établir nos forces, qui sont plus maigres que je l'aurais voulu. Mais j'aimerais que nous ayons un plan de repli. Et le corps du dragon ? Le corps du dragon de combat est chargé, mais nous ne connaissons toujours pas ses pleines capacités. Nous ne devons pas gaspiller son énergie, alors gardons-le pour la dernière extrémité. Nous devrions aller à la porte lunaire. Prévenez nos compagnons, l'heure est venue. Bon ben, allons rassembler nos alliés. Nos compagnons ont quitté le palais pour parcourir Rimmen et réfléchir à ce qui nous attend. Retrouver Abnertarn, Zamarak et le préfet Kalo. Et Cadwell, s'il est encore dans les parages. J'aimerais qu'il nous rejoigne à la porte lunaire. Oui, il est en train de faire la guitare à côté. Mais je comprendrais qu'il refuse. Oui, mais son existence est un peu scrodingerienne et pas très stable, si tu veux. Il a l'air de popper un peu... voilà. Ouais, c'est ça, ça m'a l'air... C'est comme dans Pokémon Or Argent, si tu veux. C'est un peu comme les légendaires, tu vois. Tu les trouves au milieu des Pikachu et des Sabelettes. Alors du coup, qu'est-ce qu'on dit ? Le premier et le deuxième ? Bon, on peut dire les deux. On commence par le deuxième, peut-être. Où est la porte lunaire d'Anakina ? Cet antique bâtiment se dresse dans la jungle, loin au sud-ouest. Dire que cette curiosité historique devenue lieu de pèlerinage pourrait être le site de la bataille la plus cruciale de l'histoire d'Elsewhere. Dites-nous en plus à propos de la porte lunaire. Les portes lunaires sont parmi les ruines les plus anciennes d'Elsewhere. Des quelques sites connus, celle d'Ankina est la mieux conservée. Les prêtres lunaires la considèrent comme sacrée. Le Mystar établit un lien avec le Lassi. Et nous ne voyons que de vieilles pierres. Alors, que vous est-il vraiment arrivé au Temple de la Danse d'Ombre ? Je ne peux vous dire que ce dont j'ai eu conscience. Je me suis uni au Temple, avec tous ses souvenirs, ses expériences passées. J'ai été lié à ma lignée, à la première Ankina. J'étais en harmonie. Ah ben voilà, c'était l'avatar. Faudrait demander à des as de la lire, celle-là. C'est... Vas-y. Qu'est-ce que ça veut dire, en harmonie ? J'ai suivi le processus d'harmonisation, comme Ankina et les prêtres lunaires du temple, comme Cadwell. Je sais comment déplacer les lunes, à condition de trouver un appareil du Lassi lunaire. Et c'était sûr. Pardon. Et vous pouvez ouvrir des portails comme Cadwell ? Certaines histoires sur Ankina disent qu'elle se téléportait d'un endroit à l'autre. Je vois quelque chose sur les portails, mais je ne le comprends pas. Lorsque j'aurai eu 1000 ans pour m'entraîner, je serai peut-être aussi doué que Cadwell, oui ? Revoir. Eh ben, voilà. Rassembler... C'était une bonne session. Ouais, pas mal. Hein. Rassembler les glandus qui vous servent de compagnons. Ben, ça m'a l'air complexe, pour être sincère. Hein. D'où Jésus. Je pense qu'on peut s'arrêter The là. The final countdown. Ouais, c'est bah, ça. C'est ça. On a fait des... Ouais, ouais. T'as fait un gros morceau aujourd'hui, quand même. Ouais, on a bien bourré. Le traître en moi. On a bien bourré. Moi, je propose, pour le boss final de cette extension, plutôt que de se la jouer pierre-papier-ciseaux, de relais. Ouais. Ah pourquoi pas de faire un relais genre allez à toi, reprends l'aggro. Et on se le jongle comme ça pour le lol. Est-ce qu'on pourrait avoir un ring de catch? Un octogone, ouais j'avoue. Hein. J'avoue. Mais je suis sûr il y aura un truc en forme de lune au sol, il y aura une arène à la con, enfin on va s'amuser. En tout cas c'était joli. Et avec Cadwell qui faisait des pièces. Une dernière, ah, parce que pas mal aujourd'hui. Hein. Il faut qu'on en garde une. Hein. Voilà, une dernière, vraiment, c'est pour faire joli. Rien ne vaut un bon ami.
Pour enfin en avoir une de bien. Ouais, bien sûr. Allez, pour soit on en a une de bien, on est content, soit on donne une leçon de valeur aux gens qui nous regardent à propos du gambling et de la du pari en général. Oh, de la merde. Oh, que de la merde. Oh, la cagoule. Un familier que j'avais pas. Oh, la leçon que je leur donne, c'est que parier, c'est le bien. Il faut pas... J'ai eu un familier. Bon, allez, on va faire des bisous à tous les, les glouglous et à toutes ces personnes qui regarderont cette VOD. Mate ça et pleure. Regarde cette cagoule de donjon BDSM. Magnifique. Non, incroyable. Cette cagoule qui fait que je ne m'arrête jamais tant que tu m'as pas dit avocat ou ananas, ça dépend quel est ton mot secret. Si tu... Moi j'ai eu ça comme, comme compagnon. Oh, il est beau. Ah, c'est récompense bleue, ça, je crois. Putain, c'est stylé. Il est temps de couper cette VOD. Ouais. Des bisous, merci Elise, merci Desastre, merci Bob. GG pour ton magnifique masque. Voilà, et puis, à bientôt pour de nouvelles aventures. On est bien. Ciao, à la prochaine. Allez, zoom.